Après.
The sands have been washed in the footprints of the stranger on Galilee's shore. Thank you.
sœur Sarah nous avait déposé une requête ici pour prier pour sa cousine. Elle avait 18 ans, je pense, et elle s'était enfuie à la maison. Nous avons prié pour cette requête-là, le Seigneur a entendu, et elle est revenue à la maison. Et remercie le Seigneur pour cela. Que le Seigneur soit béni. Levons-nous, vraiment, remercier le Seigneur, et que le Seigneur bénisse aussi notre sœur Esther de Lille. Nous devons nous habituer à ça maintenant. Que le Seigneur te bénisse, Richard, ma sœur. Je voudrais rappeler aussi aux bien-aimés frères qui ont leur portable allumé, s'il vous plaît, prenez le temps de pouvoir les éteindre afin que nous puissions vraiment avoir du respect dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Projet de paix pour chacun de nous.
C'est pourquoi ce matin, notre Dieu, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons vraiment te célébrer, notre Dieu, parce qu'il n'y a point de descendre à toi. Sois élevé, Seigneur Jésus. Descends encore ce matin. Viens, Seigneur, nous toucher. Viens nous visiter, ô Père. Viens nous décharger, Seigneur. Viens nous libérer, ô Seigneur. Viens, Seigneur, nous secouer. Relève-nous, Seigneur, notre Dieu, que là où il y a encore des pieds chancelants, que toi qui sois notre force, mon Sauveur, là où nous sommes tombés, Père, que toi qui sois notre pardon, et que tu puisses réellement nous relever. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Tiens-nous réellement dans le creux de ta main. Bénis-nous encore ce jour, ô Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci pour notre soeur et sœur de l'île, ô Père, que tu as gardé ainsi que sa famille, mon Dieu. Tu es le Dieu très haut. Le Dieu puissant, Seigneur, le faiseur de l'impossible, tu es le Dieu puissant, notre Père. Merci de l'avoir protégé. Béni soit ton nom pour la cuisine de notre sœur et de notre sœur Sarah. Oh Seigneur Jésus, tu es celui qui entend les prières et qui exauce, mon Dieu. Tu l'as ramené à la maison et que ton nom se soit glorifié. Béni mon frère ce matin, béni ma sœur, mon Père, que nous puissions chanter les cantiques de Sion pour la gloire de ton nom. Mon Père et mon Roi, béni mes frères qui soient à la connexion ce matin. Je les remets entre tes mains, que ta puissance est aussi. Les visites, mon Sauveur, de ceux qui ont des questions, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont des situations compliquées, que tu sois réellement le Dieu qui élève les défis. Tu es puissant, notre Dieu. Accorde la grâce, mon Père. Souviens-toi de mon frère Rosario. Bénis mon frère de force. Bénis tous mes frères dans le service. Merci pour la parole qui t'a chanté. Je me remets au Saint-Esprit de mon Père. Pardonne mes péchés, mes fautes, mon Père. J'implore ta grâce, Seigneur. Viens réellement prendre le contrôle. Mais toi, ceux qui sont au contrôle, mon Père, conduis toutes choses selon ta volonté. Les cantiques et les chants, Seigneur, sois béni pour la gloire. Bénis mon frère Emmanuel, Seigneur. Oh Seigneur, souviens-toi de mon frère Daoud aussi, Père. Bénis mon frère Samuel à l'interprétation. Bénis mes frères à la technique, aux instruments, Père, à la caméra. Que toi seul tu sois au contrôle, mon Dieu. Louange et honneur à toi la puissance, la majesté, l'adoration, à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, d'avoir ramené notre pasteur. Merci pour la santé, merci pour la force, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour notre soeur Mariette aussi, pour notre soeur Bibichon, Seigneur. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais encore. Sois loué à jamais, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci. Nous chantons le 76. Je rappelle à tous les frères et sœurs qui ont des cantiques individuelles à pouvoir chanter, de bien vouloir les mots avant la réunion pour ceux qui arrivent à l'heure, et en tout cas, dès que vous êtes dans la salle, de donner ça au diacre, de manière à ce qu'ils puissent rassembler toutes les demandes en une fois, pour que les choses se passent dans l'ordre. Que le Seigneur nous bénisse tous. En langue maternelle, parce que les paroles sont plus profondes, je préfère chanter. Aux amis pour Gugutu Indula, Avangama, Utsutu Silanga, Dumweni Fou, Gugutu Banzilanga, Gugutu Vana, Itu. Oh,
yo ti sa mu kutu kesa mu meni sa si kunu nuza onfumu onfumu bi katwa kuziti sa kusambila mukedika onfumu bi katwa kuziti sa kusambila mukedika natali zulu budia kidi uma yembandano buzeti tenana yemfula buzi pasumu kabeni yempezo mo buzeti vezima tubanza tubanza bi katwa kuzitisa kusambila mukedika tubanza bi katwa kuzitisa kusambila mukedika yebantu bantu butu wilununi zisalula ngandinga mumiti muzitisa ngamangi aunzami tubambulwa ngabotwa ivida omfumu omfumu bi katwa kuzitisa kusambila mukedika omfumu bi katwa kuzitisa kusambila mukedika yembo kibu tuku kibanzilanga tumweni vo twameni vangulwa mutumalu dayonso yena vava mufwanana yesedya vanganza omfumu ufumu bi katwa kuzitisa kusambila mukedika omfumu bi katwa kuzitisa kusambila mukedika. Amen. Je vais chanter pour Dieu, pour la guérison qu'il a accordée à mon pasteur et à mes sœurs. Que Dieu soit loué. C'est la sœur Esther. Amen. Bonjour mes frères. Bonjour. Le cantique dit ceci. Oui, le grand vainqueur des combats. Kinobo Chambita, wewe Yesu musungi diwani. Kinobo Chambita, wewe Yesu musungi diwani. Imilai tilowe tilobo, tilobo Chambita. Wewe Yesu musungidi imbila itilowe tilobo tilobo chambita wewe Yesu musungidi wani tilobo wakenda nelufese wewe Yesu musungidi wani tilobo wakadi nemeyete wewe Yesu musungede imbila itilobo tilobo tilobo chambita lobo chambite wewe Yesu musungede imbila itilobo tilobo tilobo chambita wewe Yesu musungede wani tilobo wakenda nebibishe wewe Yesu musungede wani
Tilobo, wewe wagadina nye ye. Wewe yesu moso nge deo. Imbila itilobo e tilobo. Tilobo chambita, tilobo chambite. Wewe yesu moso nge deo. Imbila itilobo e tilobo. Tilobo chambita, tilobo chambite. Wewe yesu moso nge dewa ni. Tilobo. Wakenda ne Daniel mubunu bantambwe wewe Yesu mosonge diwani tilobo wewe mula mimwimbe wewe Yesu mosonge diwani imbila itilobo tilobo tilobo chambita tilobo chambite wewe Yesu mosonge diwani imbila itilobo tilobo tilobo chambita Invité, ouais, Yesu, on sonne des Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir guéri, secouru, que son saint nom soit élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Je remercie également chaque frère et chaque sœur pour vos prières, votre amour, votre soutien, votre réconfort à mon endroit. J'ai été touché par chaque attention. J'ai ressenti l'amour de Dieu dans vos cœurs que vous m'avez exprimé. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous pour tout ce que vous avez fait pour moi. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Et je voudrais remercier pour cela le Seigneur par un cantique. C'est notre sœur Mariette. Bénissons ensemble, glorifions l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu dont la puissance fait trembler même les démons. Celui dont les anges annoncer la rédemption pour achever dans ses souffrances notre entière libération. À l'agneau de Dieu, ô gloire, à l'agneau, hosanna. Oui, toutes les phalanges, tous les anges crient son nom. L'agneau de Dieu, ô gloire, hosanna. Alléluia, oui, tout l'univers dit son nom. Gloire à la campagne, hosanna dans toutes les nations. Dans chaque vallée, dans chaque montagne, publions le célébrons. Avec assurance, le prince de la guérison. Et nous aurons toute sa puissance, son soutien et son pardon. L'agneau de Dieu, ô gloire, l'agneau, hosanna. Oui, toutes les phalanges, tous les anges crient son nom. Oui, ô gloire, hosanna. Alléluia, oui, tout l'univers dit son nom. À la solitude, à la misère, à l'affliction, nous opposons la certitude et la force de son nom. Que l'enfer menace, qu'on nous amène vers le tombeau, notre rempart, notre courage sera lui toujours l'agneau. À l'agneau de Dieu, ô gloire, hosanna. Oui, toutes les phalanges, tous les anges crient son nom. Oui, l'agneau de Dieu, ô gloire, l'agneau, hosanna. Alléluia, oui, tout l'univers redit son nom. Gloire à la campagne, hosanna dans toutes les nations. Dans chaque vallée, dans chaque montagne, publions le célébrons.
avec assurance le prince de la guérison. Et nous aurons toute sa puissance, son soutien et son pardon. À l'agneau de Dieu, oh gloire, Hosanna. Oui, toutes les phalanges, tous les anges crient son nom. Agneau de Dieu, oh gloire, Hosanna. Alléluia, oui, tout l'univers redit son nom. Amen. 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 À lui seul soit la gloire. Je vous transmets les salutations de notre frère Thomas de Bilbao, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur, car il m'a guéri des maux de tête. C'est pour cela que je veux chanter un cantique. C'est Sarah ou Isaïmana. Nous avons prié pour elle le jeudi. Elle avait des maux de tête et Dieu a réellement entendu nos prières. Que le Seigneur soit loué. Viens chanter, Sarah, et son groupe. Jésus et Marie, Jésus mon sauveur, je le glorifie, il est mon Seigneur. Alléluia, Jésus, mon fidèle compagnon, dans son amour, Jésus me conduit dans son royaume. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Jésus, ma louange, Jésus a promis parfaite délivrance au cœur retenti. Dans un instant béni, nous irons vers le ciel et nous serons ravis par notre Emmanuel. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Jésus, c'est ma gloire, mon adoration. Jésus, ma victoire, ma libération. A donné à son épouse des armes de l'esprit pour veiller dans la lutte face à l'ennemi. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse l'attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Jésus, c'est ma gloire, mon adoration. Jésus, ma victoire, ma libération. A donné à son épouse les armes de l'esprit pour veiller dans la lutte face à l'ennemi. Il est la lumière sur la route de ma vie, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit, car son cri va retentir. Alléluia. Il est réellement la lumière sur la route de notre vie. À lui seul soit la gloire. Le 211 dans les phares, 211.
211 from the song booklet. 211. Song number 211. 211 from the church song booklet. Song 211. 211. 211. Si profond, insondable, et l'amour de, oh l'amour de Dieu, l'amour est grand, oh oui, si riche, si profond, insondable, et l'amour de, oh l'amour de Dieu, l'amour. Oh, oui, pour moi, oh,
de Dieu. Oh, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Ni donné, ni de l'agneau. Oh, l'amour de Dieu. Oh, oui, pour moi. Avec mes pieds, je les loue avec mon amour.
avec mon âme, je l'ai chanté. Moi, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Moi, je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Si je montais la voix avec mes mains. Oh, si je montais les mains. Je le loue avec mes pieds. Si je montais les pieds. Je le loue avec ma voix. Si je manque la voix, je le loue avec mes mains. Oh, si je manque les mains, je le loue avec mes pieds. Si je manque les pieds, je le loue avec mes mains. Il l'a avec mon âme. Oh, je l'ai contemplé toujours. Celui qui est dans ce monde, alléluia. Tu me donnes la vie, tu es plus fort. Celui
joie qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Comment ne pas te louer qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Comment ne pas te louer qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Comment ne pas t'exalter qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus, qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Jésus, tu es plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Reçois la gloire, notre Dieu et notre Père. Reçois la reconnaissance, mon Sauveur. Nos vies, nos âmes, Seigneur. Tout ce qui te revient réellement de plein droit. Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas te louer, notre Dieu? Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci pour la guérison que tu nous as accordée. Merci pour la force que tu nous renouvelles. C'est toi qui nous donne et qui nous rajeunit, Seigneur. Qui nous donne la force du buffle, mon Sauveur. Merci pour ce que tu as été bienveillant et miséricordieux à notre endroit. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Ils sont tellement innombrables, mon Sauveur. C'est pourquoi nous chantons pour toi. C'est pour toi que nous t'exaltons, Seigneur. C'est pour toi que nous te louons, Seigneur. Merci, ô de notre Dieu. Qui est comparable à toi, Seigneur? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus libère les captifs. Le nom de Jésus guérit toute maladie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Toute ta présence parmi nous, Seigneur. La louange sied aux hommes droits. Lorsque nous crions à l'Éternel, l'Éternel entend et il nous exauce, mon Sauveur. Ce matin, nous avons des bonnes raisons de te louer, de t'exalter, de te chanter, de te louer, Père. Merci d'avoir amené, fortifié, restauré notre pasteur. Merci, notre Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui l'as fait, Seigneur. Les hommes se sont rejouis, mon Sauveur, mais toi, tu es le Dieu puissant. Et oh Dieu, qui relève les défis. Louange à toi, notre Seigneur. Merci pour notre sœur Mariette. Merci pour notre sœur Biviche. Merci pour toutes les guérisons. Merci pour toutes les solutions. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la parole de vie, oh Dieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous fait réellement du bien, Seigneur. Ta présence nous rajeunit. Ta présence, oh Dieu, est réellement merveilleuse, mon Sauveur. Lorsque tu descends, Seigneur, tu exauces nos prières. Tu entends, Seigneur. Tu sauves, oh Dieu. Tu ouvres les yeux. Tu rallumes la flamme, mon Sauveur. Bénis-nous encore ce matin. Seigneur, nous voulons t'écouter nous parler. Père, que l'homme disparaisse, oh Seigneur. Mais que toi seul, Père, que tu rentres en action ce jour. Nous voulons réellement exalter ton Saint-Nom. Nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus pour t'exalter. Nous sommes venus pour t'écouter nous parler. C'est pourquoi, Père, viens encore nous parler. Sers-toi de ton instrument que tu as choisi, Éternel, au travers de qui tu te manifestes, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel soit à ses côtés. Oh Père Céleste, tu connais les besoins de nos cœurs. Tu connais nos désirs, Seigneur. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Viens, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins. Viens encore nous parler. Viens répondre à nos questions. Viens nous guérir de toutes nos maladies. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui. Les malades sont guéris en ton nom. Les démons sont chassés en ton nom. Oh oui, notre Dieu, nous sommes vraiment libérés, délivrés, parce que toi, tu es vivant. Parce que tu vis, nous aussi nous vivons, Seigneur. Parce que ta lumière a brillé, nous sommes de la lumière, mon Sauveur. Tiens-nous dans le creux de ta main, manifeste-toi, Seigneur. Oh, que celui qui est venu ce matin avec des faiblesses, mon Sauveur, qui sorte de ce lieu, étant fortifié par la parole de vie, Seigneur. Viens confirmer, Seigneur, la parole de ton envoyé. À toi seul soit la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Alléluia. Amen. Amen. Lévons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons le psaume 111. Psaume chapitre 111.
Nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. L'Éternel est là. Je connais ce Dieu puissant qui relève tous les pieds. Peu m'importe si le mal se fuit. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel. En ton nom, Seigneur Jésus, nous allons réellement la victoire, nous allons réellement marcher avec toi, Père, et éclairer par toi, mon bien-aimé Frère, oh Dieu. Nous sommes heureux, mon Sauveur, nous sommes dans la joie, mon Maître béni, Père. Nous nous réjouissons de ta grande bonté, mon Sauveur. Combien nous sommes heureux d'être éclairés par toi, Père. Souviens-toi de nos enfants ce matin. Nous sommes réellement les troubles de ton pâturage, oh Père, et ta main puissante et nous trouvions encore aujourd'hui, Père. Oh mon Maître béni, mon Seigneur, c'est toi qui nous soutiens, mon Père. C'est toi qui nous élèves, oh notre Dieu. Voici ton peuple rassemblé en cet endroit, de ceux qui sont aussi au loin, mon bénévole Père du Saint. Et si on tente encore nous parler ce matin, Père, nous montrons réellement le chaud de venir, mon Père Saint-Béni. Oh, éclaire-nous encore, mon roi, et nous sommes heureux d'être à toi, d'être éclairé par toi, d'être conduit par toi, soutenu par ta main puissante et glorieuse, mon roi. Merci encore pour cette grande vision, comptez devant ton trône de grâce, mon roi. Merci encore pour le chaud, pour l'adoration, Père. Nous te remercions pour la bonne santé, Père. Nous te remercions pour le secours et le soutien, Père. Que ton nom soit exalté pour l'éternité. Béni sois-tu encore pour ton peuple qui a droit à connexion ce matin. Dans chaque lieu, dans chaque endroit, tu exauces nos prières, Père. Je te remercie, mon bénévole, Père Saint. T'as réellement aussi relevé, Père. Que ton nom soit glorifié, béni, au-delà de toi, mon bénévole, Père Saint. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec un cœur plein de reconnaissance au Seigneur que nous nous retrouvons dans ces lieux pour avoir la communion ensemble avec le Seigneur et aussi avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Pour toutes vos prières. Amen. Et que Dieu vous fortifie et qu'il vous récompense pour avoir prié pour moi aussi. Amen. Et pour aussi notre soeur. Amen. Nous te remercions, nous remercions notre Dieu. Amen. Parce qu'il est vraiment un secours. Amen. Il ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Et comme nous le chantons, l'Éternel est dans le camp. Amen. Nous remercions vraiment pour cette main puissante et glorieuse et qui ne manque jamais. Il a dit, il est un secours, il ne manque jamais au temps de la détresse. Nous le supplions de nous accorder la grâce de pouvoir le servir comme il le veut et d'être avec lui et qu'il soit avec nous. Et Dieu vous bénisse beaucoup. C'est que vous avez beaucoup prié pour nous et vous accorder la grâce d'être des mots aujourd'hui. Il est bon, il est notre Dieu et il nous soutient. Et c'est la grâce qui nous accorde aussi de pouvoir avoir des frères et des sœurs qui aussi vous portent dans leur cœur et qui prient aussi pour vous, Amen. Afin que le Seigneur, notre Dieu, agisse. Amen. Nous savons qu'il n'a pas changé, Amen. Il demeure toujours le même, Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et il combat vraiment pour nous. Amen. Parce que l'ennemi se déchaîne, mais le Seigneur, notre Dieu, Amen. Est là pour être notre étendard. Amen. Nous avons confiance en lui. Nous passons par des moments très difficiles, mais nous savons qu'il est toujours là. Amen. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, combien nous ne cesserons jamais de lui être vraiment reconnaissants de tout notre cœur, sachant que vraiment il vit. Amen. Et comme il a dit, puisque je vis, vous vivrez également aussi. C'est sur cela que nous nous appuyons aussi, et surtout aussi avec beaucoup de reconnaissance, de pouvoir réaliser que dans les temps dans lesquels nous sommes, sa main puissante est toujours là. Amen. Il nous éclaire pour que nous puissions être sûrs et certains qu'il est avec nous. Amen. Et comme il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Donc nous ne pourrons pas nous retrouver encore dans une confusion. Nous serons conduits effectivement de lumière en lumière, Amen. De clarté en clarté, Amen. Pour que réellement nous puissions avoir une foi ferme Amen. Et certaine effectivement dans les choses de Dieu, Amen. Et aussi avoir confiance effectivement en ces dieux, dans ce qu'il a promis qu'il le fera. Amen. Je pense que mon frère ici, José m'a envoyé un SMS, je crois que c'était hier, dans lequel il se souvenait de ce que le Seigneur nous avait accordé la grâce. Et je pense que peut-être quelques-uns s'en sont souvenus, mais il s'est souvenu de cela. Vous vous souvenez, nous avons lu dans les livres d'Habacuc, en rapport avec le Chaldéen, il combat effectivement ce peuple furibond, et puis nous avons parlé effectivement de l'actualité en rapport avec l'Europe. Et cela, nous avons parlé effectivement de forteresses. Vous vous souvenez? Car effectivement, que voilà, c'est un aigri, et cela que nous avons. Et c'est vrai que quand on écoute parfois la parole comme ça, on a l'impression que bon, ce sont des choses un peu banales, ou quelqu'un raconte ainsi de suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque les événements se sont passés en France, comme vous le savez aussi, et je ne sais pas si vous avez bien fait attention au message que les terroristes ont envoyé. Amen. C'est là que va vous ouvrir enfin les yeux pour croire que Dieu nous parle. Amen. Et que Dieu nous place dans l'actualité. Amen. Ah oui, je pense que quelques-uns parmi vous n'ont pas prêté attention. Ils ont envoyé un message. Je vais peut-être lire un peu une portion, mais parce qu'on me l'a retranscrit ici. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent. Là, le Très-Haut a dit, c'est ça, le docteur a dit, voilà. Ils pensaient qu'en vérité, leur forteresse les défendrait contre Allah, mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient ainsi dans la jambe. En fait, là, si vous suivez très bien aussi ce qui s'est passé, c'est que parmi ceux qui ont eu à pouvoir se faire sauter, il y en a un qui, on a reconnu, qui était venu par les voies par lesquelles et toute la masse vient, hein, qui était un Syrien, effectivement, et qui a eu à pouvoir traverser, je crois qu'il est rentré par rapport à un pays là-bas, pas où ? Par la Grèce, hein, qu'il est arrivé jusque-là, et maintenant, ils sont en train de se... Parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle le couvre, je pense que c'est la fermeture de frontières, ainsi de suite, en France, effectivement. Et non seulement cela, mais ça vient jusqu'ici, comme vous l'avez remarqué.
Nous devons pas être des gens qui sont là et se disant, mais on se rassemble. Frères et sœurs, je voulais toujours répéter, nous ne sommes pas une assemblée comme les autres. Nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur et le Seigneur nous parle pour que nous puissions être conscients que vraiment il est vivant et qu'il nous introduit aussi à comprendre l'actualité en fait. Comme je l'avais dit, on n'a pas besoin des journaux télévisés, on a besoin de la Bible. Et cette Bible ici, c'est notre lumière, notre information pour que nous sachions. Alors nous devons nous poser la question, mais puisque nous avons eu à pouvoir, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Parce que toutes ces choses qui se passent effectivement autour de nous. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir demander votre attention, c'est absolument important. C'est là que vous remarquez si vous êtes des élus ou pas. Un élu est très attentif et qu'il... Souvenez-vous quand le Seigneur avait dit à ses disciples, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie. » C'est-à-dire que ceux qui ont prêté attention étaient aux aguets que quand ils l'ont vu, effectivement, le Seigneur, maintenant le temps est là. Donc nous ne sommes pas là pour perdre notre temps ou pour faire les membres d'un groupe quelque part. Frères et sœurs, l'heure est tellement avancée. Nous nous rassemblons pour nous préparer. C'est pourquoi nous devons prendre notre rassemblement au sérieux. Savoir qu'effectivement, qu'un jour, nous partirons. Mais il y a des choses qui doivent se mettre en place pour que nous sachions aussi quelle heure il est. Et où est-ce que nous en sommes? Nous ne devons pas être là. Oui, le Seigneur envoie des messages. Le message est venu pour nous éclairer, pour nous pointer effectivement pour que quand l'étincelle commence, il dit, Seigneur, voilà ce que tu nous as éclairé. Donc nous voyons les choses comme tu voulais que nous puissions le voir, pas comme le monde veut que nous puissions le voir, ni comme le monde veut que nous puissions l'entendre. Parce qu'aujourd'hui, le monde ne comprend rien. Il parle qu'effectivement, ça, oui, certainement, la forteresse qu'ils ont eu à pouvoir monter, évidemment, ben, la faille est entrée. Et maintenant, on comprend clairement, comme nous l'avons entendu, parce qu'ici, vous vous souvenez encore très bien, cette prédication, effectivement, il était donc question de montrer effectivement que c'est par là, effectivement, que la chute va commencer à avoir lieu, parce que ce sera pour affaiblir. Affaiblir quoi? L'Empire romain. Vous vous souvenez? Ce qui est triste parce que vous n'écoutez pas, vous ne réalisez pas, vous ne demandez pas la prédication. Vous ne direz pas, Seigneur, nous ne le savons pas. Mais le Seigneur vous parle, vous avertit, effectivement, à moins que le cœur soit vraiment incrédule, au point de ne pas se rendre compte qu'effectivement. Parce que autrement, pourquoi vous nous quittez les catholicismes népatiques pour se rassembler comme cela? Il faut qu'on soit conscient que non, je ne quitte pas ma maison pour aller simplement me réjouir. Je quitte parce que mon âme a besoin d'être avertie. Si aujourd'hui je m'en allais, où serais-je? Parce qu'un jour, la mort frappera. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, où seras-tu? Il ne faut pas chanter d'église dans l'église. Non, il faut que tu sais, Dieu, place-moi un endroit. Amen. Là où tu me places, je veux y défendre la place en question. Amen. Parce que je connais les privilèges qu'il m'a accordé. Amen. C'est une grâce que tu m'accordes. Donc, de pouvoir aussi entendre et saisir aussi ce que tu veux de moi. Donc, aujourd'hui, en fait, nous devons nous poser la question, Seigneur, où est-ce que nous en sommes? Parce que, avec ce qui vient de se passer, le mesure, c'est le monde qui, maintenant, commence à s'ébullitionner. C'est toujours en France. Vous vous souvenez, je vous avais parlé ici, il y a un moment où il y a eu des événements qui s'est passé quelque temps avec les synagogues, ce qu'on a eu à pouvoir faire en France avant ces événements ici. Je vous ai pointé quelque chose pour vous ramener à quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Parfois, vous ne prêtez pas attention. Je vous ai dit qu'il y a un événement, cet événement, si vous avez pu remarquer, le premier, quelle était en fait l'action, qu'est-ce que ça produit effectivement? Ça produit quoi? Ça produit qu'effectivement que les Juifs commençaient à sentir en fait qu'ils n'étaient pas les bienvenus aussi. Alors, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Je vous ai ramené à quelque chose. Vous vous souvenez encore? L'histoire de Dreyfus. En vous montrant effectivement que si la nation d'Israël, aujourd'hui, a eu à pouvoir maintenant aussi être de telle sorte que la nation des Nations Unies a eu à pouvoir maintenant voter cette situation, c'est parce qu'il y a eu un événement déclencheur. C'était en fait l'histoire de Dreyfus, un juif qui était français, mais qui était accusé injustement, alors qu'il y avait le journaliste Théodore Herzl, qui était là, où c'est en France. Et quand il a vu cette injustice, ouvrez toujours vos oreilles, frères et sœurs, quand il a vu cette injustice, effectivement, alors il a dit, mais c'est pas possible, cet homme ici, on a vu que c'était un innocent, mais on l'a accusé faussement parce qu'il était juif. Donc le juif n'était pas aimé. C'est ainsi qu'il a écrit dans le journal, effectivement, un document dans lequel il avait effectivement dit, bon, des Judenstaat, donc la nécessité en fait d'une nation juive.
Et quand cela a été donc proclamé, effectivement, il m'a dit qu'il est absolument nécessaire que le peuple juif, pour se réjouir et pour se retrouver effectivement en tant que peuple, qu'ils puissent arriver à pouvoir avoir leur propre nation, c'est-à-dire à retourner en Israël. Alors c'est à ce moment-là, effectivement, que est sorti le mot sionisme. Sionisme qui disait effectivement l'an prochain à Sion, Sion donc Jérusalem. Vous vous souvenez, on avait fait la proposition à ce moment-là, ça a commencé à chauffer. À ce moment-là, tu t'es passé effectivement que oui, on leur proposait l'Ouganda chez notre sœur Dori. Mais l'Ouganda n'était pas le pays que Dieu voulait. Alors j'ai dit non, c'est pas l'Ouganda. Nous voulons retourner donc chez nous en Israël. Amen. Les Juifs, et tout cela, les Anglais, les Français avaient parti, divisé effectivement. Donc personne ne voulait, parce qu'ils avaient des ententes avec les Arabes, ainsi de suite. Donc, voilà, effectivement. Et maintenant, il y a une deuxième action. Toujours, effectivement, ce que nous avons d'abord entendu dans la parole avant que cette explosion puisse avoir lieu, donc, qu'effectivement, en rapport avec le forteresse qu'ils ont eu, ils ont dit que personne ne pourra nous faire basculer. Vous vous souvenez encore? Vous avez dit effectivement que l'Empire romain ancien, vous vous souvenez, avec ses structures, c'est exactement, ils avaient à pouvoir faire des routes comme cet Empire romain aussi. C'est la reproduction, effectivement. Et qu'est-ce qui a fait se détourner cet Empire romain? Vous vous souvenez encore? La percée qui a eu, effectivement. Et c'est comme ça que nous l'avons vu, effectivement, aussi. Ils entraient, effectivement. Comment voulez-vous reposer cette foule-là? Donc, c'est forcing, comme on dit. Et ils entrent, et vous regardez comme ça. Ah oui, mais en fait, c'est les prophéties, mais grave là, elle s'accomplira certainement. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, pour que nous puissions être conscients que l'heure est tellement avancée. Voyez-vous, donc là, maintenant, ça fait que ça secoue effectivement, en réalité, le monde. Qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est l'heure à laquelle nous devons aussi arriver à pouvoir maintenant être conscients de l'urgence aussi du temps. Dans les Saintes Écritures, cela, que nous remercions notre Dieu de la grâce qu'il nous a accordée, de ce que nous avons la lumière, et nous avons la parole qu'il nous a donnée pour que nous, lorsque nous sortons, que nous marchons sur la route, effectivement, nous savons réellement sur quelle base, sur quoi nous nous tenons en fait. Que ne soyons pas comme des gens qui sont ballottés et qui ne savent pas tellement très bien leur position et ce qu'ils ont. Parce que si vraiment Dieu est avec nous, il faut réellement que nous puissions arriver à pouvoir voir. Parce qu'il dit, mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Amen. D'avoir effectivement la connaissance de choses exactes de Dieu, effectivement. Vous vous souvenez dans le temps, regardez bien, il y a dans les Saintes Écritures une parole dans le livre de Malachie au chapitre 3 que je voudrais que nous lisons avec vous ici. Malachie au chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. Chapitre 1, Malachie 3, verset 1, pardon, Malachie 3, verset 1, dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon. Il s'assiera, il fondra, purifiera l'argent, il purifiera le fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera donc agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, je me hâterai de témoigner contre les enchantements et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent les salaires du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, ne me craignent pas l'Éternel, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Précieux Sauveur, je voudrais te dire encore merci ce matin. Cette grâce que nous avons, Père, de pouvoir nous tenir là, dans ta maison, ô Dieu,
avec beaucoup de reconnaissance à ton endroit pour la santé, pour la victoire, pour la vie, Seigneur, aussi pour la grâce que tu nous accordes encore de voir être encore, Seigneur, éclairé et conduit par toi. Pour me pardonner, mon sauveur, m'accorder la grâce, parce que nous avons vraiment besoin de toi, Père, d'être encore enseigné aujourd'hui, éclairé, Père, je t'en supplie, Père, pour ce peuple qui est à toi, qui de tout son cœur aujourd'hui veut réellement aussi entendre ta voix et s'accrocher à toi et croire à ta parole, béni, Père. Seigneur, j'ai prié pour que tu envoies la grâce, encore l'attention à dire à ta parole, à ta vie, mes personnes. Béni soit ton Seigneur encore ce matin, je t'ai prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous remarquerez très bien que dans l'écriture que nous venons de lire, il est parlé effectivement du messager qui devait être donc envoyé pour préparer le chemin donc devant le Seigneur. Chacun de nous, je crois que tout lecteur de la Bible, lorsque lit cette écriture, il se réfère certainement à Jean le Baptiste. Et cela est 100% vrai. Et Jean Baptiste, effectivement, est celui que le Seigneur a eu à pouvoir réellement envoyer pour la première venue de Christ, effectivement, pour préparer donc le chemin de manière à ce que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir réellement être repositionné dans la foi, comme l'Écriture le faisait savoir effectivement par rapport avec Jean-Baptiste. Il dit ici au chapitre 4, verset 6, il dit il ramènera donc le cœur de père à leurs enfants. C'est donc cela, effectivement. C'est pour ça que cet homme est entré donc en scène et il a réellement prêché la parole de Dieu et démontrant effectivement que le Seigneur était vraiment à l'approche, à la porte, effectivement, que bon, les âmes venaient et se faisaient aussi baptiser. Et voilà que le verset suivant, il dit, « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Si vous remarquez très bien, frères et sœurs, que lorsque il est parlé, effectivement, de cet verset, il est fait référence, effectivement, à l'entrée dans le temple, en fait. Si vous regardez dans les Saintes Écritures, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, effectivement, qu'il était sur la terre en Israël, observez effectivement dans quel endroit, de quel lieu effectivement il allait, parce que la Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, prêchant effectivement la bonne nouvelle dans les synagogues, effectivement, comme nous l'avons une fois aussi entendu dans le livre de Luc, effectivement, lorsque il est entré donc dans la synagogue, comme ça coûte d'habitude, effectivement, on lui a donné donc le rouleau de livre, effectivement, c'était donc le rouleau de livre d'Ésaïe, donc il a déroulé donc sur l'Ésaïe, donc il a commencé à lire à partir du chapitre 61, effectivement, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi », quand il m'a vous souvenez. Et puis après avoir lu cela, effectivement, il a roulé le rouleau, effectivement, il a dit, tout le monde le regardait, il dit, mais dis-nous maintenant, parce qu'on veut le lire, effectivement, il dit, mais cette écriture que vous entendez aujourd'hui, c'est accompli. Donc, effectivement, c'était, on ne l'a pas vu, effectivement, étant reçu dans le temple. Donc, même, c'est simplement au moment où il y avait des vendeurs de justement, qui l'ont frappé, les fouets, qui l'ont frappé, effectivement, mais il n'a pas été accepté d'entrer dans le temple de pouvoir. C'était seulement le souverain sacrificateur. Vous connaissez donc? Amen. Le souverain sacrificateur avec les qui étaient là dans le temple, justement, tout. Mais le Seigneur, lui, dans le temple, effectivement, on ne l'a pas réellement accueilli, on ne l'a pas reçu, effectivement, comme étant le Seigneur. Et le roi d'Israël, effectivement. Et ici, en réalité, on nous parle que, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. C'est-à-dire que ce sera une action, effectivement, où le peuple qui le désirait, le verrait dans le temple, effectivement, assis sur son trône. Alors, cela nous ramène à pouvoir réaliser quelque chose de très important. Ce que dans le temps, comme nous pouvons voir effectivement l'histoire même effectivement et la manière dont l'évangile effectivement a été apporté, comme les Saintes Écritures nous l'ont montré elles-mêmes effectivement, c'était d'abord là-bas en Orient, vous connaissez l'Orient non? En Orient, que cela a été effectivement, parce que c'est de là-bas que la parole de Dieu est
Il y a été apporté, effectivement, c'est là-bas qu'il y a eu des apôtres, effectivement, que bien Paul, effectivement, a été pour les nations, ainsi de suite. Donc, et de là, en réalité, effectivement, la parole de Dieu a été ramenée à ceux auxquels, effectivement, cette parole a été destinée. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, elle est venue chez les siens, d'abord chez eux. Et les siens ne l'ont point reçu. Et c'est comme ça qu'il y a aussi que l'apôtre Paul pouvait aussi le mentionner dans Acte 13 où il disait ceci que « Mais c'est à vous, premièrement, que cette bonne nouvelle devait être annoncée. On vous l'a annoncée parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais puisque vous la rejetez, vous vous jugez vous-même indigne de la parole de Dieu. » C'est pourquoi Acte 13, nous pouvons le lire avec vous. Et là, nous pouvons comprendre cela. Acte 13. Parce que c'est cela. Acte 13. 40. Oui, 40. Oui. Acte 13, verset 44. Il dit. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Le juif, voyant la foule, fut rempli de jalousie et s'opposait à ce que disait Paul en le contredisant et en injuriant Paul et Barnabas, c'est-à-dire dire avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Dieu est juste, hein? Amen. Donc, c'était pas aux nations d'abord, c'était à la postérité d'Abraham. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu, que Dieu te bénisse, un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu droit. Quand il dit quelque chose, il reste attaché à ce qu'il a dit, selon la vision qu'il a dit. Et si nous accrochons simplement à lui dans ce qu'il a dit, nous serons des bienheureux. Donc, c'était donc la postérité d'Abraham d'abord de bénéficier. Et pourquoi? Comme je l'ai toujours répété en cet endroit, frères et sœurs, tous ceux qui sont votre, effectivement, votre postérité, avec l'amour que vous avez pour Dieu, Dieu s'occupera d'abord de votre. Amen. De ceux qui sont à vous, effectivement. Hein, parce que le jour où vous ne serez pas là, donc le Seigneur, notre Dieu, à cause de l'amour que vous avez à son endroit, la confiance et la foi que vous avez placée à son endroit, sans doute, Dieu s'occupera. Amen. Les autres enfants pourront être là, mais ce sera d'abord les vôtres. Amen. Pour lesquels Dieu se souciera et s'en occupera à cause de l'amour que vous avez manifesté à son endroit, à cause même des souffrances, des épreuves que vous avez endurées à son endroit pour son nom et pour sa gloire. Alors, la récompense et sera aussi grande. Alors, il dit, mais c'est à vous, premièrement, verset 46, c'est à vous donc, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. À ce moment-là, que dans Actes chapitre 15, que nous lisons comme cela était donc écrit, puisque l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, effectivement, était rassemblé ici, acte 15, verset 13, il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc j'ai toujours eu à pouvoir le faire apporter la parole ici en montrant par les saintes écritures que si réellement l'évangile, la bonne nouvelle du royaume est venue parmi les nations, ce n'était pas pour les nations. C'était en fait pour un peuple qui était parmi les nations. Amen. Parce que Dieu, notre Seigneur, n'est pas venu chasser les nations, mais un peuple parmi les nations. Amen. Et je l'ai encore fait savoir que quand la lumière brille, effectivement, c'est clair, tout le monde bénéficie de la lumière, effectivement. Mais il y en a un peuple pour lequel cette lumière a une signification et son importance. Amen. Donc ce peuple, en réalité, doit se reconnaître. Amen. C'est pourquoi Esaïe, je pense, 63, il dit que, 60, je pense, lève-toi et sois éclairé.
J'aime beaucoup les saintes écritures, frères, et je prie toujours Dieu que vous soyez vraiment attentifs. Nous ne savons pas ce qui sera le lendemain, frère et soeur, mais il vous faut être très attentif et avoir la parole de Dieu, très sûr et certain de ce que vous avez reçu. Parce que la Bible est tellement si claire. Regarde, Esaïe 60, je pense que c'est cela, si nous nous souvenons, nous allons peut-être prier quand même rapidement, puis nous retournerons là-bas. Esaïe 60. Esaïe au chapitre 60. C'est cela aussi. Ah, merci. Voilà. Je crois que c'est cela, oui. Voilà. Regardez bien. Le verset 1, il dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et bien, voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. On a dit cela? Il dit, mais sur toi, est-ce que vous avez remarqué? Il dit, mais lorsque donc tout le monde est dans l'obscurité, mais sur toi, toi, sur toi, l'Éternel s'élève, et sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et vous suivez, mon frère? Amen. Voici le verset suivant. Il dit quoi? Des nations marchent à ta lumière. Amen. Donc cette lumière n'est pas venue pour eux. Elle est venue pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Mais puisqu'elle est venue pour toi, Amen, les autres en bénéficient aussi. Amen. Mais pour toi, en fait, elle est à toi. Amen. Donc toi, cette lumière, elle t'apporte ce qui est nécessaire pour toi. Amen. Les autres peuvent regarder, ah, je vois, en fait, mais ils ne voient pas comme toi, tu vois. Amen. Prenons un exemple, mon frère. Quand la lumière frappe, elle est venue chez les nations, non? Quand ils ont regardé, ils ont vu que, ah, on voit bien maintenant. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais toi, quand tu regardes avec la lumière, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas trois dieux? Non, mais tu vois un seul Dieu. C'est parce que ta lumière à toi et te permet de bien voir la chose, effectivement, pour que tu prennes part à ce don pour lequel Dieu t'a appelé. C'est pourquoi ne vous mêlez pas avec les incirconcis, avec les infidèles. Non, frères et sœurs, chacun doit réellement connaître sa place, Amen, sa position, effectivement, en rapport avec ce que le Seigneur lui dit. Amen. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un problème de groupe, en fait, c'est un problème d'individu que le Seigneur place dans un lieu, pas que l'homme a fait, mais que Dieu lui-même a choisi. Amen. Sur un certain temps de votre conscience. Donc nous réalisons qu'effectivement, et c'est comme cela qu'effectivement, que l'Écriture nous fait savoir que pour choisir du bien un peu, c'est pourquoi nous devons être nous-mêmes concernés d'abord et consacrés aux choses de Dieu. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs prennent à la légère, ils ont tendance à pouvoir parfois se battre la poitrine. Donc quand ça ne va pas, je vais dans un autre endroit. Quand ça ne va pas, quand tu as une attitude comme cela, tu ne connais encore rien de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, quand Dieu l'appelle, il doit le placer quelque part. Amen. Si tu as placé quelque part, ou réellement, il se peut aussi que toi-même, tu t'es choisi un endroit à cause effectivement de l'influence des gens, ainsi de suite. Et bien, si tu n'es pas de Dieu, tu vas toujours, tantôt il sera ici, tantôt ça. Mais quand tu es de Dieu, il te fera sortir d'un endroit pour te placer à un endroit où lui-même te nourrit à cet endroit. Parce qu'il va avoir effectivement une communion avec toi. C'est pourquoi ce n'est pas la marche avec quelqu'un d'autre qui compte pour toi, c'est la marche avec toi et Dieu. Seigneur, parce que les gens vont te critiquer, les gens vont parler effectivement du mal, effectivement, de cette manière. Il faut savoir que le diable te combattra pour te faire sortir effectivement de la position que Dieu veut te placer. Mais toi, tu dois être conscient que non, ça, ce que Dieu veut de moi, je suis sûr que c'est ça. Et tu restes accroché à la parole de Dieu. Donc là, nous regardons effectivement comment et la lumière est venue effectivement et que nous comprenions que le Seigneur appelle effectivement et cette écriture effectivement qui était dans le livre des Actes. Et nous voyons qu'avec certitude, et le monde aujourd'hui ne le voit pas, mais vous qui êtes le peuple de Dieu, vous avez réalisé que cette écriture-là aussi s'est accomplie. C'est que le Seigneur a appelé les siens d'entre les nations. Et même nous qui sommes dans les nations, parmi les nations, nous sentons que nous réalisons que vraiment,
Nous sommes le peuple dont les saintes écritures ont parlé. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Amen. Nous sommes dans les nations, Amen. Mais nous ne sommes pas comme les nations. Amen. Parce qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tous ceux qui se disent des religieux, ils marchent selon la religion. Ils marchent selon, effectivement, la manière dont ils voient aussi les choses avec la lumière qu'ils ont. Mais toi, effectivement, tu ne marches plus comme la religion dans le monde, effectivement, des nations. Marche, effectivement, parce qu'on est différent des juifs. Ben oui, parce que les nations, ils ont embrassé la foi comme ça, et puis ils ont la main gauche à droite. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est différent, qui a fait que Dieu a eu un pouvoir assez... Et chaque fois, il a toujours montré, effectivement, qu'il s'agit, effectivement, pas de la masse, mais un peuple particulier. Là, il a montré depuis, effectivement, l'âge des fêtes. Dans chaque âge, effectivement, oui, c'est la période des temps, mon frère et ma soeur, que Dieu a eu à déterminer, effectivement. Et dans chaque période des temps, effectivement, il y a des événements bien précis qui doivent réellement s'accomplir à cette période des temps pour que maintenant, on passe à un autre temps, une autre période, effectivement, avec des événements tout à fait différents, mais dont la continuité a commencé à se passer de l'un comme à l'autre. La lumière qui a commencé par là, passer la même lumière à ceci, effectivement. Donc la même foi qui était là-bas est passée ici. Mais maintenant, elle produit aussi autre chose, effectivement, en fonction des événements du temps dans lequel vous trouvez. C'est pourquoi elle a été faite spirituelle, effectivement. Donc chaque période de temps a aussi... Alors, dans cette période, effectivement, aussi, Dieu a voulu montrer qu'effectivement, que ce n'était pas tous ces de fesses ou de smires, effectivement, qui ont été pris. Non, il a dit que c'est lui qui a des oreilles. Amen. Alléluia. Toi, Dieu, parce que vos yeux voient ce que vous voyez. Amen. Et vos oreilles entendent ce que vous entendez, effectivement. Les autres, ils entendent en parabole, effectivement, ils ne comprennent rien. Ils disent, ah, amen, ils comprennent rien. Mais toi, Dieu t'a ouvert les oreilles. Amen. Pour que tu entendes, que tu comprennes, effectivement, ce qu'il a dit. Donc, effectivement, dans chaque minute, à celui qui vaincra. Amen. Donc, il doit bien y avoir quelque chose à vaincre. Alléluia. Et aussi ce que Dieu te donne, toi, pour pouvoir arriver à pouvoir vaincre aussi. À celui qui vaincra. C'est important. Tu dois savoir, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur veut que je puisse avoir et qu'est-ce que j'ai à vaincre, effectivement. Donc, chaque âge avait, effectivement, aussi des vainqueurs et il y avait, effectivement, aussi des choses à vaincre qui étaient en rapport avec leur âge. Et dans chaque âge, effectivement, il y avait des vainqueurs et Dieu donnait la lumière, effectivement. Vous vous souvenez, si nous prenons Luther, Dieu a donné sa lumière, non? Mais juste vivre par la foi, vous connaissez quand même. Hein? Amen. Donc, avec ce que nous avons, donc, nous voyons que là, qu'est-ce que Dieu fait? Ce que Dieu, par cette action en réalité, puisque ça a commencé avec l'âge d'Éphèse, et je voulais toujours lui prêter attention, quand vous regardez les chandeliers, il est bien dit, ce sont donc les sept âges des églises, non? Les sept étapes de l'église. Parce qu'il n'y a pas cette église, une seule église, qui passe par cette étape. Hein? Et vous n'avez pas remarqué le septième? Dieu a créé le monde en six jours. Le septième jour, il s'est reposé. Donc le septième, c'est le dernier. Vous comprenez? Donc Dieu a vraiment des principes qui nous montrent pour que nous puissions comprendre. Nous ne sommes pas au cinquième, nous sommes pas au sixième, au septième âge. Donc effectivement, il a eu à pouvoir. Et puis c'est l'âge de l'achèvement. Hein? C'est tout, effectivement. Et vous le savez en réalité. Donc chaque période, effectivement, que Dieu a eu à pouvoir. Et comme je disais, effectivement, ça commençait par l'âge d'Éphèse. Dieu envoya toujours, effectivement, la lumière. Et puis, pour quelle raison? Ça dit qu'en fait, que. Ce sont les périodes en réalité par lesquelles sont l'Église. Et quand on parle d'Église, nous l'avons entendu dimanche passé, il s'agissait du tabernacle, n'est-ce pas? Nous n'y avons pas allé plus loin, vous vous souvenez? À cause du temps. Hein? Vous vous souvenez quand même, Dieu a voulu sacrifier aux femmes, tu m'as formé. Il n'a pas voulu le corps de Moïse, ni le corps de Job, n'est-ce pas vrai? Vous vous souvenez encore pour quelle raison? Quand on parle de l'Église, en
fait. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, quand il a posé la question, il a dit, mais qui dites-vous donc que je suis moi, le Fils de l'homme? Les uns disent, les autres disent. Votre attention. On a dit, effectivement, il dit, mais oui, les autres peuvent dire, mais vous, qui êtes toujours avec moi ici, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Pierre a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Il a dit, sur ce roc, n'oubliez jamais cela, sur ce roc, je bâtirai. Pas qu'un prédicateur ou une communauté, non, il dit, moi, je bâtirai mon église. Amen. Alors si moi je suis un croyant, mon frère, c'est écrit dans Matthieu 16, hein, pour les noms. Si moi je suis un croyant aujourd'hui, j'entends que celui que j'aime de tout mon cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vrai? Amen. Il est mon salut, il est mon âme, il est tout ce que je suis. C'est vrai, non? Amen. On le chante, non? Amen. Il est ma lumière, n'est-ce pas? Amen. Sur la route, vous connaissez, non? Amen. Vous connaissez l'écriture? Amen. Bon, alors, je sais qu'il est tout pour moi. Je parle de ça, de ceux qui l'aiment. Hein. Amen. Hein, il dit, je sais qu'il est tout pour moi. Tout ce que je suis, c'est lui. Amen. Donc, je ne peux pas vivre sans lui. Et puis, il me dit qu'il va bâtir son église. À moins que je sois un fou. Vous comprenez? Si je lui dis que... En fait, si c'est lui qui... La Bible dit, hein, il a dit, je suis le bon berger. Donc, en fait, si, en principe, je ne cherche pas un autre berger. C'est ce berger-là que je veux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il faut qu'on soit conscient, frère. Il faut qu'on comprenne, ma soeur. Oui. Donc, si je compris qu'il est le berger... David l'a dit, non? L'Éternel est mon berger. Amen. Et notre Seigneur, il a dit, mais je suis le bon berger. Donc, nous savons que celui qui est le berger. Alors, si je sais qu'il est le berger, il a dit, mais je bâtirai mon église. Ce que je désirerai, moi, c'est faire tout ce que je peux de chercher où se trouve cette église-là. Pour que moi, je puisse faire partie de son église. Cette église. Si je suis un véritable croyant, je ne me laisserai pas tranquille, mon frère. Amen, amen. Jusqu'à ce que j'ai trouvé son église. Parce que les gens disent, oh, l'église de Jésus-Christ, des mormons, hein. L'église de Jésus-Christ au dernier jour. Ça, c'est pas l'église là que je cherche. Parce que je veux voir l'église que lui-même a dit, je bâtirai. Amen. Il n'a pas dit que les mormons bâtiraient. Non, non. Personne dit, moi-même, je bâtirai. Amen. Alors, puisqu'il va bâtir son église, je veux savoir où elle se trouve. Amen. Parce que moi, je vais être membre fidèle dans cette église-là. C'est là que je veux, quand je suis dans cette église, je dis, je ferme les yeux, mon cœur est tellement ouvert. Il dit, Seigneur, parle, mon âme écoute. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'église d'un tel endroit. Amen. Vous n'aimerez pas avoir un tel endroit. Amen. Mais si, mon frère, c'est pas l'histoire. Il a dit lui-même, je bâtirai mon église. Et tout véritable serviteur de Dieu, appelé de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme un apôtre, parce qu'un apôtre ne devient pas apôtre parce que j'ai été à l'école. Non, il doit d'abord voir le Seigneur. Amen. Le Seigneur doit d'abord lui apparaître. Oui, mon frère. On ne peut pas faire bizarre pour celui qui fait dire, oh, parce que j'ai senti, je crois que je suis. Ben, non, 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 non. Le Seigneur, lui, doit apparaître, effectivement, et t'appeler au ministère, comme il a fait avec Pierre, avec Jean, et Paul qui n'était pas là, il lui est apparu. Amen. Il dit, le Seigneur m'est apparu aussi. Amen. Je vais vous le dire, effectivement, pour que vous puissiez voir que c'est la vérité. En Corinthiens, chapitre 15, je pense. Oui. En Corinthiens. Pardon, je pense que je suis allé un peu plus loin. Ah, si. En Corinthiens, chapitre 15. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, il est ici. Et voilà. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme vous avez aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5. Et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite,
Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'apôtre, car je suis le moindre des apôtres. Donc, cet homme, et même, vous pouvez même le voir quand même dans les Saintes Écritures, que sur le chemin de Damas, il a fait part aussi, hein, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de revenir à moi, ainsi de suite. Alors, quand il dit, qui es-tu Seigneur, il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, l'apôtre Paul, alors je disais, c'est le tous ceux qui ont eu à être appelés par le Seigneur pour travailler pour lui, pour le servir, et qui ont réellement une tâche en rapport avec l'action véritablement de Dieu pour son peuple, ils doivent absolument avoir une rencontre personnelle et directe avec le Seigneur qui les appelle. Autrement, tu fais un travail inutile. Mm-hmm. Tu ne peux pas être bénéfique, effectivement, parce que tu ne sais même pas très bien quelle est la tâche que tu as. Et qu'est-ce que tu dois faire, effectivement? Comment tu dois arriver à pouvoir. Il faut que le Seigneur t'ait apparu, que tu aies vraiment entendu qu'il t'a fait part, que voici, je t'ai appelé pour les services. Et puis bon, il y a cela aussi, les prophéties, qui peuvent venir aussi pour aussi accomplir ça, comme Ananias avec. Paul, Saul aussi, il a dit que le Seigneur, comme je disais, il est venu, il m'a dit, va, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, il dit, non, cet homme est un instrument. Et j'ai donc choisi pour. Alors, tous ceux-là, travaillant donc avec l'Esprit du Seigneur, ils vont travailler pour quoi, en fait? Parce que, regardez une chose, je pense que, je ne sais plus très bien, mais probablement que dans le livre des Éphésiens, ou je suppose, ou Philippiens, ou Colossiens, l'apôtre Paul, les livres, nous allons peut-être essayer de pouvoir regarder cela dans les livres écologiques, que nous revenons vite dans les Écritures pour que nous puissions effectivement aller rapidement dans ce que nous allons pouvoir voir, et en fait que vous continuez de manière à ce que d'abord le tableau, le décor soit là pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est et ce qui se passe effectivement, où est-ce que nous en sommes. Nous avons dit, je crois, sinon, tout le ciel, au chapitre 1, et elle est très bien. Il dit ici, Colossiens chapitre 1, verset 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est Paul qui parle. Hein? Colossiens 1, 24, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, pour qui? Pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. Donc effectivement, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, effectivement. Il travaille pour cette église-là. En fait, ils n'ont pas une autre église pour laquelle ils doivent travailler. Fabriquer, nous. En fait, il y a une église. Et tous, puisqu'ils connaissent le maître, ils veulent être tous aussi dans son église. Donc, lui, il est le berger, et eux, ils sont aussi ses serviteurs, effectivement, dans cette église. Et c'est dans cette église-là, mon frère et ma soeur, que toi et moi, nous sommes censés être appelés à pouvoir réellement faire. C'est pourquoi il est dit pour un peuple qui portait donc son nom. Et vous comprenez la suite, effectivement. Donc, il y a bien un programme depuis que le Dieu du ciel a visité Israël, réellement le peuple élu, la nation d'Israël, parce que c'était terre, effectivement, d'Israël. C'était pas eux qui l'ont cherché, ils l'ont trouvé, effectivement. C'était Dieu lui-même qui avait préparé effectivement cela, parce qu'il n'y avait pas une terre, effectivement, il a voulu lui leur donner cette terre, effectivement, cette nation, pour qu'ils soient donc. Parce qu'ils étaient errants dans les déserts, il fallait un endroit pour qu'ils puissent se retrouver être un peuple de Dieu. Et c'est là que tous les saints et les prophètes qui ont été avant parlent effectivement. Dans les Saintes Écritures, que ce soit Abraham et tout cela, et Joseph, etc. Tous, ils ont cherché, comme vous le souvenez encore davantage, quand
Joseph disait à ses frères que le Seigneur Dieu vous guidera. Quand vous sortirez de cet endroit, n'oubliez pas mes os. Personne ne voulait mourir en dehors d'Israël, donc de Jérusalem, pour être homme d'Israël en fait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient tous une chose. Que cette terre que Dieu leur avait donnée, effectivement, c'est parce que Dieu lui-même, le Dieu du ciel, voulait venir le visiter dans cette terre-là. Parce que Dieu avait dit effectivement que c'est un pays où coule le lait et le miel. Votre attention, s'il vous plaît, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas l'historique que je vous parle. C'est la parole de Dieu pour que vous puissiez vous souvenir de la manière dont Dieu est en train de faire les choses, en fait, que vous compreniez. Que s'il a fait cela ainsi, hein, il va faire aussi, effectivement, maintenant, ce qu'il a promis aussi. Voici dans quelle phase nous entrons. Ne soyez pas là simplement pour que vous écoutez, puis bon, après, les frères vont chanter, on chante, on danse et on part. Vous revenez toujours. Il y a un problème quand votre foi n'avance pas, ne s'accroche pas à ce que Dieu dit. Ce qui est dommage, c'est que vous serez de ceux-là qui connaissent bien ce qui va se passer, mais pensant que vous allez faire partie de ceux qui vont monter. Vous allez commencer à vivre effectivement, et dire, mais Seigneur, mais ce n'était pas après l'enlèvement. Vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas fait attention. Ça ne sert à rien de pouvoir s'asseoir pendant une heure, deux heures, trois heures ici, pour simplement attendre après danser, sauter, et puis partir, et n'avoir rien gardé, n'avoir rien compris. Frère, quand les apôtres prêchaient, les âmes prêtaient attention. Les âmes savaient se préparer, parce qu'ils disaient, je ne sais pas si demain, ça se passera comment? Vous savez, ceux qui étaient sur le boulevard, je ne sais pas moi, là-bas en France, ou assis dans la terrasse là, c'était, vous pouvez aussi vous asseoir dans la terrasse pour prendre un café. Hein? Oui. Vous ne réalisez pas, hein, frère, vous jouez pourquoi? Hein? Ils ne savaient pas, pour eux, ils disaient, ah, j'ai des projets maintenant, avec ce que j'ai, je vais faire ça dans 3 ans, dans 4 ans. Il était assis. Tout d'un coup, comme ça, un monsieur qui passe avec ses kalachnikovs, et tout le monde est parti. Vous ne savez pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu que chez nous, ici, au métro, d'ici, c'est le Seguin, je ne sais absolument rien là-bas. On était dans la terre, voiture qui n'avait pas de vous connaissez, non. Vous ne savez pas. Vous prenez le métro, le bus. On ne sait pas, mon frère. Réveille-toi. Oh, j'ai encore du temps. Non, mon frère. Je suis encore jeune, mais dans le cimetière, il y en a des enfants de 5, 6 ans, et de 3 mois, de 4 ans. Il ne faut pas dire que je suis encore jeune de la vie longue. Non. Tu ne sais pas ce qui peut se passer dehors. Regarde ces pays dans lesquels nous sommes, effectivement. Vous avez vu sa configuration? C'est comme si vous êtes sous le magma. Ah, vous regardez, ah oui, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que je vais faire, que je vais sortir, pas de problème. Mais tu ne diras pas que je ne savais pas, parce que là, ça va te frapper. Peut-être qu'il y en avait parmi, effectivement, si j'aurais été à l'église, comme toi, mon frère. Parce qu'il a effectivement, on prêchait, oh, donne ton cœur au Seigneur, oh, des balivernes, je vais aller avec moi, perdre mon temps alors que mon travail me donne des honneurs, effectivement. Bon, j'écoute quand même parce qu'on m'a invité. Mais il est allé ce soir à la terrasse, hein. La balle est passée, il est parti. Balivernes, mais c'est dans l'enfer. Quand Dieu te donne l'occasion de voir être quelque part pour entendre, d'abord tu vas te demander, qui es-tu d'abord? Qu'est-ce que tu as de plus que l'autre? C'est simplement des balivernes dans ton esprit. Moi je suis, oh je suis plus, c'est pas moi, supérieur en quoi? Ta supériorité est en quoi? Ta vie est de quoi? Je sais pas moi. Tout ça c'est dans la tête. Dans la tête. Je suis assis avec quelqu'un, moi je suis supérieur, je suis de la haute bourgeoisie. Haute bourgeoisie, en fait, les gens sont vraiment. C'est simplement le mot dans la tête. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc, nous devons bien prêter attention. Donc, c'est pour que nous voyons ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Puis il dit non, je bâtirai mon église. En fait, il s'agit effectivement de cette église-là que lui a dit je bâtirai. Mais il a fait. Bien sûr que oui, il a fait. Le jour de Pentecôte, mon frère. Oui, c'était pas ni Pierre, ni Jean, non. Il dit, mais un bruit impétueux.
Est-ce que Pierre pouvait les contrôler? Non, pas du tout. Il dit, mais quand je serai, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai. Alléluia. Ah oui. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être des pasteurs. Amen. Bien sûr. Alléluia. Parce que le pasteur, c'est la tête de l'église. Amen. Alors, la Bible nous dit, lui, il est la tête du corps. Amen. Et le corps, c'est l'église. Amen. Il doit conduire, frère. Il doit dire, et l'église doit faire. Amen. Il n'a jamais donné sa place à quelqu'un d'autre. Amen. C'est toujours lui. Il est la tête du corps. Est-ce que vous suivez maintenant? Amen. Donc, c'est pour cela, effectivement, que le Seigneur, maintenant, il cherche, il appelle ceux qui sont à lui pour son église. Voilà pourquoi il écrit, sortez du milieu de mon peuple. Il dit, mes brebis en moi entendront ma voix. Je les appelle par leur nom. Quand ils entendent leur nom, ils sortent chacun et chacun me suit. Je marche devant eux et ils me suivent. Parce que je suis le bon berger. Donc, c'est l'action que Dieu a faite lorsque il a eu à pouvoir venir vers Israël. Israël l'a abandonné, il l'a rejeté, il a tourné le dos à Israël pour tourner maintenant sa face vers les nations. Pour maintenant faire quoi? Pour faire son travail. Et pouvoir maintenant choisir du milieu des nations, faire venir effectivement ceux qui sont à lui pour rentrer où c'est? Pour rentrer où? Pour rentrer où? Et son cours, c'est quoi? Son église. Je bâtirai mon église. Sans l'intervention d'aucune main de personne. Amen. Donc ces membres, effectivement, qu'on appelle le membre du corps de Christ. Donc le membre du corps de Christ, qui est donc son église. C'est vrai, non? Et chaque membre, effectivement, qui entend et qui est ramené entre là-dedans, il s'est réjoui parce qu'il a trouvé les lieux qu'il cherchait depuis longtemps. Amen. C'est ça, notre position dans le corps de Christ. Amen. Si c'était l'oreille, il retrouve sa place d'oreille, il est heureux. Amen. Il dit, ah, j'ai pensé que c'était l'œil, effectivement, je ne savais pas comment fonctionner, mais je suis là, à ma place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était le bras, c'était trop bien, j'étais la jambe, il dit, aïe, 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 je faisais le travail de la jambe, mais ça n'allait pas, parce que vous voyez comment le bras peut faire les jambes. Il va souffrir, hein. Mais maintenant, quand il est ramené à sa place, oh, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je fonctionne comme cela, c'est droit. Amen. Je peux maintenant faire ceci, je me sens bien à ma place. Voilà pourquoi c'est important d'entrer dans cette église-là, pour que tu puisses aussi te sentir effectivement en bénédiction pour les autres membres qui sont dans cette église-là. Parce que les bras, il est en bénédiction aux doigts. Les doigts sont en bénédiction. Amen. Il est en bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc vous voyez le travail en harmonie en fait. Donc nous composons tout pour être en bénédiction à tout le monde. Voilà. L'homme est content parce que le travail s'est fait en harmonie. Amen. Donc il n'y a pas de dispute là, moi je dis non, je suis content que tu sois là, parce qu'avec ça on peut arriver à faire ça. Amen. Parce que si tu n'es pas là, comment je vais le faire? Amen. Donc quand tu es là, je suis heureux. Amen. C'est pourquoi l'amour de ton frère, quand la Bible dit aimez-vous ardemment, il a raison. Amen. Vous interprétez mal, oh, parce que frère, oubliez ce que la charnelle peut vous penser. Amen. Aimez-vous ardemment, c'est cela, hein? Oui. Oh, si tu coupes ça, comment moi je vais maintenant fonctionner comme il faut? J'aime ça, j'aime le doigt ici. Qu'il soit là vraiment de tout mon cœur, j'aime ça. Vous comprenez ça? Je suis accroché à cela. C'est cela la Bible parle de un en Christ, mon frère. L'unité de l'esprit. Le corps fonctionne bien. Il n'y a pas de place pour les disputes, pour les critiques, pour le mépris, pour ceci, non. La place simplement pour l'amour. Amen. C'est pourquoi il dit à l'unité de la foi, à la stature parfaite. Donc cela, effectivement, que nous comprenons. Alors, maintenant, nous remarquons que, effectivement, que l'objectif pour lequel, quand il a été rejeté, il s'est tourné vers les nations, c'est pour cette église-là. Est-ce que vous entendez? Amen. Voilà.
Donc, pour son église, effectivement, comme il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. N'oubliez pas, j'ai lu dans les Saintes Écritures, je n'ai pas encore lu beaucoup, je vais lire rapidement pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Dieu, avant qu'il commence son œuvre, il savait comment les choses allaient effectivement, et son église, comment elle allait être effectivement, et qui était le membre de son église. C'est pourquoi il n'a jamais cherché à avoir problème avec personne. Il a dit, je suis venu pour chercher quoi? Mes brebis à moi. Amen. Donc ceux-là qui faisaient partie de cette église-là, aussi longtemps que tous les membres ne sont pas encore rentrés, alors je continue à chercher, parce qu'ils sont le mien. Il s'est égaré quelque part. Il n'est pas la brebis de quelqu'un d'autre. C'est ma brebis à moi. Et elle a besoin de moi. Voilà pourquoi on continue à prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bouche que chaque véritable enfant de Dieu. Oui, les faux prophètes font leur travail. C'est leur travail. Ceux qui sont Dieu leur coûteront. Mais la Bible dit que par cela nous disons que nous sommes enfants. Parce que ceux qui nous écoutent, ils sont des dieux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la parole de Dieu est prêchée dans sa pureté. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui choisit un instrument. Amen. Pour que le peuple de Dieu entende la pure parole. Amen. Afin que le vrai puisse réellement être ramené. Amen. Le faux ne s'accrochera pas, ils vont fuir. Amen. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres, mon frère. Amen. Oui, oui, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi on a lu dans cette écriture, effectivement, dans le chapitre 10, d'après verset 4, il dit, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, qui criait, sortez du bien-être, mon peuple. Pas leur peuple, mais mon peuple. Et ce qui continue à retentir pour que le dernier que lui connaît, qui se trouve quelque part, mon frère, entende. Amen. Ah oui, oui. Ce qui est dommage et triste, c'est ce que on a eu à pouvoir faire dans ce temps. Les gens, j'ai toujours eu à pouvoir dire, Dieu du ciel, mon Père bien-aimé, je voudrais vraiment voir le ton. Merci, mais ce qui est triste, c'est de voir que beaucoup n'ont pas vraiment compris ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de pouvoir faire, effectivement. Et c'est comme si on est venu là dire maintenant, tout le monde peut devenir pasteur, tout le monde peut vivre les églises. Et ça, je l'ai toujours dit, vous qui êtes le peuple de Dieu, n'allez pas n'importe où, même si c'est ton cousin, ce n'est pas que Dieu te bénisse, ce n'est pas question de cousin ou oncle, non, c'est question de ta vie à toi. Lui, s'il est ton cousin, il a fait mais il était un faux. Mais toi, tu es un élu de Dieu, Dieu ne peut pas te mélanger avec ton cousin, il doit te mélanger avec ceux qui sont à toi. Parce qu'en fait, quand on est en Christ, il n'y a plus de famille naturelle. Notre problème, ce sont les familles qu'on attire derrière nous. On doit les aimer. Mais il y a bien une disposition dans laquelle nous trouvons. Amen. Donc, il y a une place pour eux. Mais pour les croyants vrais en Christ, oh frère, nous sommes un. Alléluia. Cette phase doit être comprise, effectivement, pour que nous puissions réaliser qu'il s'agit en fait d'une connexion avec Dieu et nous. Amen. Et Dieu me veut moi en tant que sa fille, Dieu me veut moi en tant que son fils. Donc je veux maintenant que mon père traite à moi, avec moi effectivement. Alors il doit me montrer, me dire où est-ce que je dois me positionner pour entendre ce que lui veut. Lorsque le dernier, ton frère, parce que ce dernier-là, c'était ton frère, c'est une soeur, c'est ta soeur. Parce que la véritable nature familiale que nous avons, c'est pas le naturel, mon frère. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est les surnaturels, les spirituels. Parce que nous sommes enfants de Dieu, pas dans le naturel, mais dans les spirituels. Donc, mon frère et ma soeur qui sont nés, effectivement, du même père que moi, c'est-à-dire de Dieu, alors ils sont mes vrais frères, ils sont vraiment ma propre famille à moi, et sur la terre, nous vivons déjà en communion ensemble, parce que nous avons la même foi, et quand nous nous retrouvons, l'amour est au top. Amen. Parce que je reconnais l'importance, non? Amen. Si on me retire ça, ça sera problématique. Amen. Donc il faut qu'il soit toujours là. Amen. Parce qu'il va. Alléluia. Amen. Alors j'aime tellement abondamment, effectivement, je dis, mais que la main soit attachée à mon bras. Amen. Alléluia.
Alléluia. Que ma soeur soit toujours là. Amen. Que mon frère soit là. Parce que quand je le vois, je suis fortifié. Amen. Quand je vois ma soeur, je suis encouragé. Amen. C'est pourquoi nous devons être d'encouragement pour les uns comme les autres. Amen. Nous sommes liés et unis. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Amen. Quand le dernier sera entré, à ce moment-là, quelque chose va se passer. L'église sera complète. Et Dieu prend son église. Amen. Quand il prend son église, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il se tourne vers Israël. Amen. Voilà, mon frère et ma soeur. Quand Dieu se tourne vers Israël, il faut qu'il y ait des choses qui soient déjà faites pour Israël. Ah oui. Vous n'avez pas remarqué sa façon de pouvoir faire les choses? Dans Malachie au chapitre 3, nous l'avons dit. Avant qu'il puisse venir, il faut qu'on envoie d'abord un messager pour préparer le chemin devant lui. Un peuple bien disposé. Luc chapitre 1, verset 16, 17. Vous connaissez, non? Donc Jean le Baptiste a d'abord été envoyé avant que. Donc, il faut d'abord que les choses soient faites pour que le Seigneur vienne. C'est pourquoi qu'un rapport avec le retour du Seigneur, effectivement, vers Israël, il y a quelque chose de très important qui doit être fait en Israël, ce que Israël soit une nation. Amen. Mon frère, c'est quoi, effectivement, que Israël soit une nation? Or, regardez une chose qui est merveilleuse, frère. Dans le livre d'Esdras, Esdras, il est écrit une chose. Au chapitre 1, il dit, verset 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Vous avez entendu cela? Amen. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël? C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. Donc, lorsqu'effectivement la déportation, la captivité commençait à pouvoir maintenant atteindre effectivement que le temps arrive à pouvoir, le cri qui a retenti d'abord, c'était en rapport avec la maison. C'était rien. Donc, il retourne, il bâtit une maison à l'Éternel en Juda. Quand on parle de la maison de l'Éternel, maison de l'Éternel, il s'agit de quoi en fait? Le Seigneur ne va pas habiter chez les voisins ou chez... Non, il a une maison à lui, hein? Et comme tous le savent effectivement que c'est le temple qui a été bâti, donc on faisait référence au temple. Et vous devez comprendre une chose, mon frère et ma soeur, ce qui fait réellement d'Israël être réellement une nation en soi qui est vraiment reconnue, qui doit vraiment prendre ses proportions comme cela se doit, c'est son unité en rapport et aussi avec le temple. Vous avez entendu, Malachie 3, elle a dit. Et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Donc en ces temps-là, on a dit effectivement, retourner, fait pour montrer effectivement que quand on retourne, que Dieu, il doit y avoir un lieu où ce Dieu doit être adoré. Amen. C'est quand même merveilleux de voir. Alors, nous posons la question de pouvoir savoir. Seigneur, est-ce que pour le temps,
Et pour même le plan et le programme seulement que tu as établi, est-il vraiment question d'un lieu pour toi encore en Israël, ou de quelle manière tu vas certainement agir? Alors je voudrais que vous compreniez une chose. Ce qui se passe maintenant, je crois que vous l'avez eu à pouvoir entendre aussi, et mon temps a été aussi ce qui en suivra. La fin des gens, des gentils, commence à pouvoir s'annoncer aussi, comme vous le voyez progressivement. Parce que, regardez, je vais vous montrer quelque chose, frère, c'est ça. C'est ces couches qu'on est en train de pouvoir arriver à pouvoir voir, sont en train de pouvoir en fait secouer davantage les structures et les fondements. Je vais vous dire une chose. Maintenant, ils savent. Oui. Okay. Parmi ceux qui sont entrés, il y en a un qui sort. Ça les a réveillés quelque part, d'une certaine manière ou d'une autre. N'est-ce pas vrai? Bon, maintenant, puisqu'ils doivent protéger, ils ont pris une décision. Je vais vous poser la question. Vont-ils maintenant fermer les frontières pour repousser tous ces migrants qui sont déjà entrés de ce côté-là et qui sont devoir venir? Je vais vous dire une chose. Ils ne pourront pas les faire. Et qu'en est-il, les frères? Votre attention. Votre attention. La parole de Dieu peut s'accomplir. Votre attention. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés eux-mêmes dans le piège. Amen. Que Dieu te bénisse. Satan est très rusé. Hein? Ah, ils ont montré la connaissance. Quand les migrants ont commencé à venir par petits bateaux, la communauté européenne, donc effectivement, c'est ici, donc le Parlement européen se sont rassemblés. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Que chaque État européen est censé pouvoir ouvrir ses portes pour recevoir telle quantité, telle quantité, telle quantité. Ils ont tous signé oui. N'est-ce pas vrai? Mais puisque vous avez signé, eh bien évidemment, vous devez respecter vos engagements. Puisque c'est l'Europe qui a analysé la chose, qui a dit, ça c'est une bonne chose. Donc, ils auront difficile de dire que non, n'entrez pas. Frère, ils voient bien que la chose est là, mais ils ne pourront plus la fermer. Amen. Ils ont signé un document, mais vous pouvez, ils vont entrer parce que une maman qui vient avec son bébé. Et on ne peut pas dire que c'est nous. On va dire non, voilà, la maison. Bon, de toute façon, il vient, c'est pas de problème. La maman passe, c'est pas de problème. Mais les petits dans mal ici. Que vous voyez là, c'est pas pour rien que Dieu a dit, même ceux qui sont à la mamelle, les petits dans mal ici, là, vous êtes dans votre nom. Quand tu vas devenir grand dans mal ici, comment vas-tu faire? Frère, non. Vous devez ouvrir vos yeux, frère, voir que la politique est du diable et qu'effectivement, ils s'entremêlent, effectivement, le pinceau, ils ne savent plus rien faire. Mais vous devez savoir où vous en êtes. Donc, que votre cœur ne soit pas sur le bien de ce monde, ni sur la structure, effectivement, parce que tout est en train de vaciller. Les gens sont en émoi, en désarroi, effectivement. Parce que, vous savez, quand vous faites une guerre conventionnelle, c'est-à-dire que vous savez que celui-là est un militaire qui a l'uniforme de la Tchécoslovaquie, et c'est l'uniforme, effectivement, de la Russie, donc on voit la différence, on peut tirer. Mais maintenant, il est bien avec sa ceinture autour des reins. Il marche avec toi en pantalon, en chemise. C'est ça. Comment vas-tu faire? Il est avec toi dans le métro, là, assis à côté de toi, et ta porte aussi, c'est SMS aussi, comme toi. Mais autour des reins, il a un bon. C'est ça, mon frère? Nous sommes dans un temps, frère, un temps de confusion, un temps de mélange. N'est pas, oh frère, nous perdons notre temps, je vais être à la maison. Vous ne savez pas si votre maison va sauter un jour. Vous ne savez pas, donc il n'y a rien de certain. Vous combattez contre un ennemi que vous ne connaissez pas. Dans le métro, partout où vous passez, effectivement, il peut être là, hein, bien ceinturé là au fond, hein, puis il tape son pied comme ça, il dit, oh, il est gentil, hey, 2 mètres, pas, pas, poum, poum. Vous ne savez, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut revenir à la prière. C'est parce que quand vous êtes de Dieu et qu'il est là avec son pompon blanc autour des reins, le Seigneur dit, mais mon fils, ma fille, dans ces rames-là, ne rentre pas, remonte les escalators. Oui, frère. Il garde tous les siens.
Amen. C'est important que nous puissions être beaucoup plus en communion avec Dieu, croyant l'heure dans laquelle nous trouvons. Alors, puisqu'il s'assied, l'étape, la Bible dit que donc c'est qu'elle sera sans les secours, même qu'elle s'hésite d'être broyée, n'est-ce pas? Donc, Dieu va se tourner effectivement à Israël. Donc, c'est le temps où le peuple d'Israël doit maintenant se mettre à pouvoir chercher à bâtir son temple. Plus maintenant ça commence à fumer ce côté-ci, plus Israël. Je vais vous montrer pour que vous puissiez voir que c'est la vérité. Le premier attentat qui était avant, c'était quoi? On a ciblé qui? Les Juifs. Ils ont dit quoi? Nous rentrons chez nous. Donc il y a toujours des événements qui se lient en fait. Mais ils rentrent effectivement, pourquoi? Regardez ce que Dieu a dit, une chose effectivement. Pour que nous puissions être conscients, est-ce que ces choses sont vraiment vraies ou pas? Regardez, dans les Saintes Écritures, dans Ézéchiel, on a que nous lisions Ézéchiel, rapidement, bon. Quelques versets, chapitre 10, effectivement. Ézéchiel au chapitre 37, pour que vous voyez que cela est. Et ce que Dieu a eu à pouvoir faire comme promesse, Ézéchiel 37, il dit. Wow. Nous lisons à partir du verset 15. Je vais lire entre vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Ézéchiel 37. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois écrit dessus. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Il faut bien suivre ce que j'ai lu. Hein? Écrit pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends-en une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-le l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Vous avez entendu? Amen. Je continue. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Prêtez attention. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans le montagne d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Parce que avant ils étaient divisés dans le royaume d'Israël d'un côté et le royaume effectivement de Juda de l'autre côté. Le royaume d'Israël avait comme capitale la Samarie. Juda avait comme capitale Jérusalem. Et vous savez que David descend de la tribu de Juda. Vous vous souvenez? Alors, regardez bien. Ils étaient donc divisés en deux royaumes, effectivement, qui viennent à pouvoir. Et puis Dieu dit une chose. Il dit une chose. Je vais faire une chose, effectivement, ces deux bois, je veux les rassembler. Afin qu'ils soient une nation. Une seule nation. Est-ce que vous suivez? Amen. Regardez. On continue à dire. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tout le lieu qu'ils ont habité et où ils ont péché et je les purifierai. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. C'est quand même la même parole que Dieu nous a donnée aussi. Hein? Amen. 2 Corinthiens 6, ainsi de suite. Vous souvenez, non? Amen. Nous continuons. Alors dit. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Vous remarquez très bien, bien-aimés frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre le langage de Dieu. Lorsque cet homme de Dieu ici, Pierre, pouvait dire effectivement que, puisque David était un prophète, le Seigneur lui avait donc révélé qu'il ne manquerait pas d'un successeur assis sur le trône. Amen. Donc c'est de la postérité de David. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Parce que ici, David était déjà mort depuis longtemps. Mm-hmm. Mais quand il dit ici que mon serviteur David sera leur roi, Amen. Il parle donc de fils de David. Amen. Amen.
Oh, fils de David, aie pitié de moi. Vous souvenez? Amen. C'est du Seigneur Jésus. Amen. 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 Et ils auront tous un seul péché. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas. Vous suivez? Maintenant, écoutez bien. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Écoutez bien. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Amen. Vous avez entendu? Amen. Maintenant, écoutez bien. Je traiterai avec eux une alliance de paix. N'avez-vous pas remarqué une chose qui est dans les Saintes Écritures, dans Malachie, au chapitre 3, il dit, mais le messager de l'alliance, en fait. Parce que, regardez très bien, il est parlé de l'ange de l'alliance. Vous vous souvenez? L'ange de l'alliance n'est autre que le Seigneur lui-même. Amen. Ah, c'est vrai que vous ne saisissez pas, mais Dieu voulant, je vais rentrer ça. Regardez, il dit, verset 10, je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance nouvelle avec eux, écoutez bien, je les établirai, je les multiplierai, et je placerai quoi? Mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Amen. Vous avez entendu? Amen. Il dit, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, Amen. Lorsque mon sanctuaire Amen. Sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Et quand on parle du sanctuaire, prenons dans Daniel au chapitre 9. Regardez, dans le livre de Daniel, au chapitre 9, vous allez le voir effectivement, verset 23 dit, lorsque tu as commencé à prier, Daniel 9, 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est pour eux, n'est-ce pas? Amen. Pas pour les nations. Alors maintenant, il dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expirer l'iniquité et amener la justice, effectivement, éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au temps du Messie le conducteur, il y aura 7 semaines et dans 62 semaines, les places des fosses seront établies dans la pâture. Après le 62 semaines, il est très bien, le Messie sera donc retranché, il n'aura pas de successeur. Mais c'est ce qu'on dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira quoi? La ville est quoi? Le sanctuaire. Alors, vous comprenez, quand on parle sanctuaire, c'est-à-dire de quoi? Ah, donc les sanctuaires est en rapport avec les tombes. Donc, regardez bien, vous comprenez que quand il a dit que mon sanctuaire sera au milieu d'eux, il fait donc référence effectivement au temple. Pourquoi? Regardez. Retournons dans Ézéchiel, et nous puissions voir effectivement où nous étions. Je pense que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 42, je pense que c'est cela, oui. Ézéchiel 42, et vous verrez effectivement ici, pour que vous puissiez voir en fait en rapport avec le temple et le sanctuaire. Il a dit, mon sanctuaire sera venu. Vous comprenez ça, non? Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pour que vous ayez l'assurance, c'est-à-dire que ces choses sont des choses qui sont vraies, elles doivent se faire maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez bien. Ici, le Seigneur a donné donc la... Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur lui-même a donné à Ézéchiel la vision exacte de ce temple, cette ville, effectivement, comment elle sera, comment les proportions. Maintenant, ici, au verset 23, il dit, Ézéchiel 41, 23, il dit, le temple et les sanctuaires avaient deux portes. Alors, il dit, mes frères et sœurs, tantôt, je vous ai dit, effectivement, que, quand on a dit dans Daniel, chapitre 9, verset 23, on a montré, effectivement, que la ville est sanctuaire. Donc, on a compris que quand il y a un sanctuaire, c'est les temples, non? Alors, rien. Donc, le temple et les sanctuaires avaient deux portes. Je dis que quand on parle du sanctuaire, on parle du temple. Ici, il ne fait pas, il dit, mais les temples et les sanctuaires. Est-ce que vous suivez? Amen. Les temples et les sanctuaires. Mais quel est-il notre bien aimé frère? Je vais vous montrer quelque chose qu'on a scène d'écriture. Aujourd'hui, je pense que dans le livre de Ézéchiel, à mon avis, c'est là que je pense que c'est là. Alors, le Seigneur, il décrit quelque chose dans le livre d'Ézéchiel, je pense, au chapitre 30, je pense quelque chose comme ça. Je suis de me retrouver. Ah non, c'est 42. Ézéchiel 42. Non,
il parle effectivement, Ézéchiel 42, au chapitre 42, nous allons lire, à partir du verset 12, le temple et le sanctuaire. Vous suivez? Bon, maintenant, 42, verset 12, il dit, il en était de même pour le porte de chambre du côté du midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient, par où l'on y entrait. Et il me dit, les chambres du septentrion et les chambres du midi qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes, vous suivez, où les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel mangeront les choses très saintes, et ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices, l'expiation de l'équivalité, car les lieux est saint. Quand les sacrificateurs, vous suivez, seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font les services, car ces vêtements sont saints, ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Donc, vous avez bien remarqué que dans les sanctuaires, quand il parle de sanctuaire, c'est un lieu qui est dans le temple. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Là-dedans, en fait, parce que c'est un lieu là où réellement on rencontre Dieu, Amen. On doit rentrer effectivement, mais en fait, sans le temple, il n'y a pas le sanctuaire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a marqué, mon sanctuaire sera au milieu d'eux. C'est la raison pour laquelle les temples existent, non? Parce qu'il y a un là qu'on peut le rencontrer. Donc, nous remarquons qu'effectivement, que... alors regardez d'abord un autre détail qui est tellement si important, effectivement, dans les Saintes Écritures, là où le Seigneur marque quelque chose de très important pour nous que nous comprenons. Regardez bien, c'est dans Ésaïe au chapitre 39. Il dit une chose, Ésaïe 39, verset 25, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, Ézéchiel 39, 1. Vous y êtes? Ézéchiel 39, j'ai dit. Vous y êtes, non? Ézéchiel 39. Vous y êtes? C'est Ézéchiel, pas Ésaïe. Ézéchiel. J'ai dit Ésaïe. Ézéchiel 39. Ézéchiel 39, pardonnez-moi, verset 25. Et il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël. Et je serai jaloux de mon sang. Alors, ils oublieront leur propre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler, quand je le ramènerai d'entre le peuple, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Vous entendez ce moment en fait? Il dit, je vais les rassembler, je vais les ramener. Nous continuons, prêtez attention à voir quelque chose. Il dit, et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Il continue, il dit, mais qui les avait amenés captifs parmi les nations? Et qui les rassemble dans leur pays. Amen. Je ne laisserai Alléluia. Chez elles aucun dieu. Amen. Amen. Donc, tout véritable juif Alléluia. Qui est un élu connu de Dieu doit retourner Amen. À Israël. C'est pourquoi les événements vont, on commence à se prélever parce qu'ils doivent. Donc, le vrai, aucun dieu, c'est comme nous l'avons entendu avec l'église, hein, aucun ne manquera. Donc, il faut que le dernier puisse entrer. La même chose aussi, parce que mais les 144 000 Amen. Doivent être aussi scellés. Amen. Donc il faut, il dit, je ne laisserai, vous devez dire, il dit encore une chapitre 39, hein, il dit ici, je ne laisserai chez elle aucun Dieu. C'est pourquoi tout celui qui est de Dieu, parmi les nations, je parle maintenant de l'épouse, quand il entendra la parole de Dieu, mon frère, il ne va pas discuter. Amen. Amen. Si quelqu'un discute toujours, effectivement, il va être membre, il va dire, oh, je crois au ministère du prophète, ça ne veut absolument rien dire. Je crois au message de l'histoire, ça ne veut absolument rien dire. Tout le monde peut prétendre croire au message de l'histoire. Mais tous ceux qui croient n'est pas l'élu de Dieu. Mais les élus croiront. Il y a une différence, effectivement, entre l'action, comme je vous l'ai fait part, effectivement, frères et sœurs, regardez-moi ici.
Je vais parler longtemps, mais j'aimerais tant courir ça parce que je voulais aller avec la présence de votre Dieu. Regardez bien ceci. Comme je vous l'ai fait part aussi, en rapport avec la lumière, frère. Quand la lumière est apparue, effectivement, elle a quitté là-bas, vous voyez, effectivement, parmi les nations, tout le monde a pu regarder avec la lumière, non? Mais qu'est-ce que les uns voyaient? Trois dieux. Mais qu'est-ce que toi, tu vois avec la lumière? Un seul Dieu. La plupart disent, mais le message, c'est vraiment la parole de Dieu, parce que l'intellect aussi voit si les choses sont vraies. Donc avec l'intellect, on peut mélanger, ah, c'est des dieux, effectivement, Rome. Oui, ça, on voit, parce qu'on sait que l'intellect, donc on le voit des mains. Mais toi, quand tu écoutes ce message, qu'est-ce que tu entends? Amen. Il y a une grande différence, mon frère. Parce que toi, ça te parle, tu ne pourras jamais devenir un fanatique. Non. Amen. Parce que l'esprit du fanatisme, effectivement, c'est déjà un esprit diabolique. Amen. Alléluia. Le message te ramène dans l'esprit de Christ. Amen. Dans la foi, biblique, la parole, effectivement, pour que nous mais ça, c'est vraiment ce que Dieu a dit. Amen. Alors tu dis, mais si Dieu a dit, mais ceci est mon absolu. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Amen. On ne peut pas avoir deux absolus. Amen. Un, c'est suffisant. Amen. Parce que Paul a dit, mais suivez-moi comme je l'ai écrit. Ça fait qu'il n'y a pas deux Christ, il n'y a qu'un seul Christ. Amen. Que nous suivons. C'est pourquoi beaucoup, peut-être un frère, ils nous ont cru le message. S'ils avaient cru le message, frère et sœur, on n'aurait pas vu des petites assemblées pullulées ainsi. C'est pas possible, frère. Tu sors ici, oh, nous croyons, frère, madame, nous croyons le message, frère. Toi ici, et puis au coin encore, frère, nous croyons, nous avons. Comment pouvez-vous croire en ce même message et avoir 150 églises dans la même rue? Expliquez-moi, frère, quand même, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ceux qui n'ont pas cru. Parce que si nous avons cru, à la parole de Dieu, à la roue où Dieu nous a. Donc, il dit, aucun d'eux, je ne les laisserai chez elle. Regardez quand même, frère, ouvrez vos yeux. Comment Dieu a pu faire? Parce que là, effectivement, Israël, les Juifs ont secoué à gauche. Ils doivent rentrer chez eux. Parce que Dieu a une œuvre avec eux. Bien sûr, mon frère et ma soeur. Et cela est quelque chose de très important. Et regardez maintenant une chose que je voudrais que vous puissiez voir encore dans le livre d'Ézéchiel. Et puis peut-être que je vais peut-être m'arrêter là-bas. Regardez bien ce que cette écriture nous montre effectivement. Et c'est dans le chapitre 43 d'Ézéchiel. Je voudrais que vous prêtiez votre attention. Pour que vous puissiez voir que cela est vrai, ce que le Seigneur, parce que c'est la vision que Dieu a donnée effectivement à Ézéchiel pour le temple et la ville, effectivement. Ézéchiel 43, verset 1, il dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Vous prêtez attention? À la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. J'aime cela, frère. Amen. Oh, j'aime cela. C'est merveilleux, frère et soeur. Oh, notre Dieu est bon. Amen. Regardez. Il dit, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait vers l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Alléluia. La Bible parle ici, effectivement, que la voix de Dieu était réellement pareille au bruit des grandes eaux. Amen. Vous vous souvenez? Amen. La voix de ces dieux, le Dieu du ciel, était pareille au bruit des grandes eaux. Amen. Quand vous prenez dans Apocalypse, effectivement, Amen. Vous voyez la même chose, que Dieu vous bénisse, Amen. La même chose qui parle de qui? Mais du Seigneur Jésus. Amen. Donc les Yahvé, vous lisez avec vous, hein? Les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est vraiment le Jésus du Nouveau Testament. Amen. Regardez maintenant, frère. Donc, chapitre 1 d'Apocalypse, effectivement, je crois que c'est ça. Oui, oui, chapitre 1 d'Apocalypse, regardez bien. Verset 14, il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige blanche, comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et vous savez ce que cela signifie, effectivement? Que sa voix, nous retenons dans Ézéchiel 43, sa voix
Donc, était pareil au bruit des grandes eaux. C'est quoi, en fait, quand on parle de bruit des grandes eaux? En fait, c'est la voix de chaque véritable serviteur de Dieu qui a prêché la parole. Donc, quand il prêche, c'est Christ. C'est Dieu. Et c'est vrai, c'est cela, frère. Quand vous l'entendez, il dit, je vous l'ai dit ici, et c'est notre précieux frère, bon, répète, il dit, ce que vous entendez ici, à la barre du jugement, vous l'entendrez aussi. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Parce que vous pensez que c'est la voix d'un homme. Non, c'est Dieu vous parlant, vous. Amen. Et ceux qui sont des dieux, ils réalisent que ce n'est pas la voix d'un homme. C'est vraiment la voix de mon Seigneur. Amen. Qui me parle, moi. Et pour que je prenne position, effectivement, en fait, que je sois inébranlable dans la foi. Amen. Nous retournons à Ézéchiel 43. Regardez bien. Il dit, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Qui parle ainsi? C'est Ézéchiel, non? Amen. Il dit, lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Mais en fait, Ézéchiel ne peut pas détruire la ville. Il n'a pas... Mais les dieux d'Ézéchiel, c'est celui qui a Amen. Donc vous voyez comment l'homme est en Dieu, en fait. Amen. Dans l'action, il dit, mais j'étais venu pour détruire la ville. Mais non, c'était l'ange là. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve Kébar, et je tombais sur ma face. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais continuer parce que je n'ai pas montré. Regardez bien. Ici, on nous dit effectivement que il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait donc de l'Orient. Vous avez remarqué? Amen. Mon frère et ma soeur. L'Orient, c'est le lever du soleil. Amen. L'Occident, c'est le coucher. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, regardez bien, frère, il ne pourra pas venir du côté de l'Occident. Non. Parce que l'Occident, comprenez, l'Occident, c'est le coucher. Mm. Tandis que lui, il est le soleil de la justice. Amen. Il s'élève. Amen. Il viendra toujours de l'Orient. Amen. C'est pourquoi vous voyez que les choses sont précisées pour que nous sachions, parce que regardez bien, l'évangile n'est pas venu de l'Occident, de l'Orient. Amen. Donc l'élevé est venu vers là. Amen. Donc Christ est de l'Orient. Amen. À l'Est. Amen. Amen. Oh oui, frères et sœurs, c'est merveilleux de pouvoir voir combien le tableau de Dieu se dresse, effectivement, pour que nous puissions voir qu'effectivement, que ce sont des morceaux de puzzle, il faut les placer à sa place. Amen. Et quand c'est placé, effectivement, on voit les tableaux, mais Seigneur, c'est tellement si merveilleux. Amen. Donc, rien ne peut manquer. Retournons, c'est qu'est-ce que c'est Ézéchiel 43, regardez bien. Il dit, verset 4, il dit, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était où? Du côté de l'Orient. Vous suivez? Il dit, alors l'Esprit m'enleva et me transporta maintenant dans le parvis intérieur. Donc il m'a fait maintenant entrer dans le temple. Vous voyez? Amen. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Donc la maison c'est quoi? C'est bien le temple, non? Amen. Qui d'entre vous et de son peuple qu'il monte pour dire quoi? La maison éternelle. Donc c'est les temples, non? Amen. Alors il dit, voici la gloire éternelle remplissait quoi? La maison, donc le temple. Maintenant le verset 4, regardez bien. Ah, verset 6, pardon, il dit, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici les lieux de mon trône. Le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne seront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur le lieu, sur le haut lieu. Ils mettaient leur seuil effectivement ainsi près de mon seuil, leur poteau ainsi, ainsi, ainsi. Mais il dit, j'habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. C'est ici le lieu de mon trône. C'est là que nous comprenons. Quand on a dit, et soudain, entra dans son temple, Amen. Le Seigneur que vous cherchez. Amen. Il dit, c'est ici, les lieux de mon trône, effectivement. Donc, effectivement, le temple doit être construit parce qu'il doit s'asseoir. Amen. Il doit s'asseoir en tant que roi, n'est-ce pas vrai? Amen. Fils de qui? Fils de David. Et ce ne sera pas parmi les nations qui va s'asseoir. En Israël,
temple, fait-il. Il dit, c'est là le lieu du repos. Donc, écoutez bien, le temple doit être rebâti. Et le Seigneur, notre Dieu, votre attention, frère, j'ai sauvé les temps, il n'y a que 13 heures. Le Seigneur, notre Dieu, montre effectivement qu'il va lui-même descendre dans ce temple-là. Il dit que c'est vraiment là le lieu de mon trône. En réalité, oui. Il s'assiera comme le roi d'Israël, effectivement, parce que ce ne sera plus deux royaumes, ce sera une seule nation. Ce ne sera plus le royaume d'Israël, le royaume de Juda divisé en deux, mais les deux seront un, une seule nation avec un seul roi, comme au temps du roi David. À l'époque du roi David, c'est nécessairement une seule nation, n'est-ce pas vrai? Amen. Ah, un seul roi, donc Jésus-Christ. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Donc, il doit venir en tant que fils de David, effectivement, s'asseoir hein, sur le trône de son père David. Et vous avez entendu ce qu'il est écrit ici? Regardez-moi, s'il vous plaît, parce qu'il dit, tu ne manqueras jamais d'un successeur à sur ton trône. N'est-ce pas vrai? Amen. Ici, il dit une chose, il dit, verset 7, il dit, fils, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Vous avez entendu? Amen. Ah oui. Parce que c'est le fils de David. Donc, le temple, c'est... Alors, vous savez, frères et sœurs, il faut que nous puissions maintenant nous positionner en rapport avec ces événements. Comment est-ce que les choses vont se mettre en place et à quelle période, effectivement, ces choses seront. Si vous remarquez très bien, frère, selon les Saintes Écritures, mon Dieu, il y a 70 semaines qui sont donc, qui ont été fixées pour Israël. Si vous vous sentez fatigué, excusez-moi, je peux m'arrêter. Et puis nous continuerons, parce qu'il faut que vous saisissiez. Sinon, on peut chanter, on prie, je vous laisse, et puis après, bon, on revient encore. On continue peut-être le temps que vous mangez. Vous n'avez pas prévu de sortir manger et revenir encore pour la parole de Dieu. Dieu nous surprend. Amen. C'est vraiment triste, frère. Je prie Dieu. Vous savez, je voudrais bien, moi, selon ce que Dieu me conduit, peut-être à pouvoir, mais je ne peux pas raccourcir. Parce que moi, je dois aussi rendre. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Il faut que ce que Dieu me donne, le conseil de Dieu, vous l'entendez. Amen. Amen. Regardez, 70 semaines, 69 sont passées jusqu'à ce que le Messie ait été retranché. N'est-ce pas? Amen. La Bible nous montre clairement que les dévastateurs, vous avez lu avec moi, fera une alliance pendant une semaine. Ça veut dire que quand le Messie a été retranché, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'effectivement que Dieu ne traite plus avec Israël, il traite avec les nations. Amen. Je sais qu'il y a une polémique sur le 3 ans et demi. J'ai écrit une brochure là-dessus. Comme... Vous savez comment c'est arrivé? C'était quand j'étais parti, en fait, je crois que je ne sais pas quel pays là, où le prédicateur avait polémique entre frères, parce que bon, d'un côté, on dit c'est une semaine, de l'autre côté, frère avec 3 ans et demi, effectivement. Eh bien, dis-nous, effectivement, frère, que ce... je crois que j'étais, je sais pas, en Norvège, je crois que c'est en Norvège, j'étais. Le prédicateur était dans un état problématique, parce qu'il dit, bon, là, ici, d'un côté, 3 ans et demi, de l'autre côté, une semaine d'année, effectivement. Qu'en est-il, frère? Dis-nous, effectivement. Mais j'ai pris ça dans les Saintes Écritures. Je commençais à leur montrer. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit, frère, nous te demandons des grâces. Veux-tu nous mettre, Bible en main, veux-tu nous mettre par écrit, afin que les autres prédicateurs puissent voir et comprendre qu'effectivement, que ça concorde effectivement avec les Saintes Écritures. J'ai dû placer les choses selon la plaque, comme le Seigneur m'a accordé la grâce de voir, pour montrer qu'effectivement, que nous devons toujours revenir à la parole de Dieu et voir les programmes effectivement de Dieu. Alors, si Dieu s'est détourné d'Israël après, parce que quand le Messie a été donc rejeté, effectivement, mais il s'est tourné vers la nation. Donc, Dieu ne traite plus avec Israël. Donc, il reste en fait une période de temps. Et cette période de temps est divisée en deux quand même. Le 3 ans et demi pendant lesquels, effectivement, les deux prophètes vont prêcher la parole.
Vous vous souvenez, non? Amen. 1272. Je voulais dire quand j'ai dit. Alors, maintenant, on se pose la question de pouvoir savoir maintenant. En fait, ce temple, la réalité, évidemment, à quel moment, effectivement, il va être là? À quel moment, effectivement, le Seigneur va prendre, effectivement, aussi place, effectivement, dans ces temps? Non, non, c'est là parce que c'est le moment où le Seigneur doit retourner à Israël. N'est-ce pas vrai? Amen. Pour votre information, vous pouvez vous renseigner. Aujourd'hui, on nous informe déjà qu'en Israël, ils ont déjà presque tous les ustensiles, en fait, du temple. Oui, 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 oui. Même les vêtements pour les sacrificateurs et tout ça, et même la maquette du temple, déjà, ils l'ont. Donc, en dessous, dans le coulis, effectivement, ils ont tout fait. Donc, aujourd'hui, presque tout, peut-être quelques-uns, a été donc reconstitué d'abord pour le service. Et la maquette, même pour le temple. Qu'on le veille ou pas, qu'on le croie ou pas, le temple sera là. Parce que déjà, la preuve est là. Pourquoi ils sont en train de pouvoir se battre pour le monde du temple? Posez-vous la question, pourquoi les Palestiniens, tout ça, crient effectivement quand Ariel Sharon est monté là-bas? C'était pour leur monde. Vous comprenez que ici, cet endroit, c'est pas pour les dômes de Jésus, et tout, de la mosquée dans le Mazar, machin. C'est dit, non. Ici, cet endroit, c'est bien le temple d'être bâti. Et ils sont allés faire les fouilles en dessous. Pour permettre effectivement que. Donc, pendant que ici, les gens dorment un peu, les juifs là-bas, ils travaillent. Et vous savez, juste je vais te rappeler, mais vous savez, pour que vous puissiez voir effectivement, Dieu est vraiment précis dans ce qu'il dit, ce qu'il fait. Parce qu'on me dit, mais frère Léonard, quand est-ce que ce temple va être bâti effectivement? Est-ce que dans le millénium? Non, c'est pas la Bible donne une indication pour que nous sachions à quel moment effectivement ça va commencer à pouvoir s'ériger cet temple. Vous voulez le voir, non? Regardez. Dans Daniel, au chapitre 9, regardez bien. Verset 27, prêtez attention. Daniel 9, 25, il dit. Je vais lire à partir du verset. Verset 25, donc je commence à partir du verset 25. Sache les langues et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il y aura donc 7 semaines et 62 semaines. Vous avez vu ça? Amen. Le verset suivant, il dit quoi? Les places et les fossés seront rétablis, mais quand? En temps fâcheux. Mais en des temps fâcheux. Qu'est-ce que ça veut dire des temps fâcheux? C'est des temps où il y a des troubles, effectivement. Mais pendant ces temps-là, effectivement, le travail s'est fait. Quand on bâtissait même la muraille, il y avait quoi? D'un côté, on avait l'arme, de l'autre côté, l'arme naturelle. Est-ce que vous vous souvenez? Esdras, un ennemi, effectivement. Donc, de l'autre côté, il y avait l'arme, effectivement, ici. Et de l'autre côté, la tuile, pouvoir construire, effectivement. Ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous voyez, effectivement, la question. Parce que. Mais c'est dans le millénium qu'il doit arriver à pouvoir s'asseoir. Regardez quelque chose que je voudrais vous montrer, frère. Dieu est bon. Je prie pour qu'il vous donne la compréhension. Dieu est vraiment bon. Regardez. Millénium, c'est une période de paix. Il s'assiera certainement sur son trône, mon frère. C'est écrit dans la Sainte Écriture, non? Il règne en haut avec lui pendant. Vous voulez qu'on le lise, non? Si, régner, ça veut dire quoi? C'est parce qu'il est roi. C'est ça, non? Regardez bien, nous allons lire les Écritures. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Apocalypse, au chapitre 20, verset 1.
Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Vous y voyez ? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Vous avez ? Il les jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et qu'est-ce qu'ils firent? Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il sera là le fils de David. Assis sur son trône, effectivement, comme nous l'avons lu avec nous, régnant pendant cette période, effectivement, donc pendant la période de Pédon, les princes de la paix. Parce que Satan, effectivement, là. Alors maintenant, regardez une chose qui est tellement extraordinaire, parce que là, vous remarquerez très bien que quand on parle de 1000 ans, c'est vraiment dans le temps. N'est-ce pas vrai? Et le temple, effectivement, est bâti, effectivement, pour que, et puis ça va avoir sa fonction aussi pendant aussi ce temps, parce qu'Israël il doit exister effectivement comme un peuple effectivement de Dieu. Et vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Alors, vous savez où est-ce que le temple sera bâti? Le temple sera bâti en Juda, donc à Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit que Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Amen. Même si les nations vont être divisées, ils ne pourront pas diviser. Amen. Parce que Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Jérusalem pour que son nom y résida. Amen. Et c'est mon lieu que je choisis à toujours. Amen. Vous entendez cela? Amen. Jérusalem. Jérusalem. Donc, ville de paix. Et nous chantons quoi? L'île de Père et des Lumières. N'est-ce pas vrai? Prenons Apocalypse. Verset 20, chapitre 21. Je veux que vous puissiez voir cela. Verset 20, chapitre 21, pardon. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. N'est-ce pas? Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu. Vous entendez cela? Amen. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Vous entendez cela? Amen. Le temple sera bâti à Jérusalem, où le Seigneur lui-même, en tant que fils David, sera donc dans son temple, son lieu de repos. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous l'avons lu avec vous. Hein. Amen. Maintenant, on nous montre en fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il s'agit maintenant de la nouvelle Jérusalem. Pas l'ancienne. La nouvelle Jérusalem. Et celle-là, elle descend du ciel. Vous me suivez? Amen. Et la Bible dit que, il dit, et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, oh Jésus, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Amen. Amen. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pas seulement avec Israël, mais avec les hommes. Amen. Parce que dans ce que nous avons lu, effectivement, mais je serai toujours, effectivement, en fait, au milieu d'Israël, n'est-ce pas vrai? Ouais. Le temps au milieu d'Israël, n'est-ce pas vrai? Ouais. Mais ici, on nous dit, effectivement, que voici donc le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront donc son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Vous entendez cela? Amen. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera
Alléluia. Pas mon peuple, mais je serai. Son Dieu sera mon fils. Maintenant, écoutez, frère. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, l'idolâtre, effectivement, et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça, c'est ce qui s'est passé avant, c'est que l'événement des messieurs qui descendent, des nouvelles gens qui descendent. Donc, ça, c'est avant, effectivement, qu'on appelle, effectivement, la. Bon, nous allons continuer, on va y revenir. Je continue d'abord. Il dit, verset 9, il dit. Puis un des sept anges qui tenait le sept coupes remplies de ces derniers flots. Quand je parlais du verset 8, vous n'avez pas très bien saisi, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous montrer, parce que ça cause du temps. J'ai dit que verset 8 ici, le Seigneur a voulu faire ressortir cela pour montrer qu'effectivement que dans cette ville-là, ceux-là ne pouvaient pas y entrer. Amen. Parce que ceux-là, ils sont passés aussi. Ils sont passés ici, frère. Verset chapitre 20, verset 13. Après, c'était 20, verset 13. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'étaient nés devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort sur les morts, effectivement, rendirent leurs morts, les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps ardents de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, ce que nous venons de lire dans le chapitre 21 vient après le grand jugement. Amen. Le jugement d'affaires où Satan et tout ont déjà été jetés à côté de là. Maintenant, ce sont les saints. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, c'était pour vous dire que cette partie-là, donc pour montrer que tous ceux qui vont faire partie, c'est pas des gens qui sont des gens qui ont en fait qui sont des saints. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je reviens ici. Puis un de sept anges qui tenait le verset 9, et cette coupe remplie de ces derniers fléaux, vint. Et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Vous suivez? Amen. Donc, en fait, maintenant, nous sommes entrés dans une autre dimension, qui est une dimension extra-temporelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez compris ce que ça veut dire extra-temporel? Amen. C'est-à-dire au-delà du temps. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, nous continuons. Elle dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Est-ce que vous avez bien fait attention, mon frère? Jérusalem, il est bâti sur quoi? Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, va au pays de Moridja. Un pays où il y a des montagnes. C'est sur l'une de ces montagnes que je te montrerai là où tu devras sacrifier ce fils. Il est lié à Genèse chapitre 22. Moridja. C'est vrai. Exactement. C'est quand même sur les collines, non? C'est là où se trouve Jérusalem. Parce qu'ici, regardez bien, il dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous suivez? Alors, quand on parle de Jérusalem, là, on voit effectivement, il y a un temple. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc, dans le temporel, il y a un temple dans lequel Dieu descend, s'assied, que effectivement, il est sur son trône. Dans le millénium. Vous en entendez? Mais ici, maintenant, on nous parle en fait, en réalité, de la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit que c'est une ville qui descend. Ouvrez quand même vos oreilles et vos yeux. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place. Est-ce que vous suivez? Amen. Il est allé bâtir, en fait, un lieu pour nous. N'est-ce pas vrai? Amen. Et ces lieux, en fait, c'est ce que Dieu nous montre maintenant. Où le saint, l'époux, va habiter. Et il nous montre qu'effectivement, on l'appelle, en fait, la nouvelle Jérusalem.
N'est-ce pas? Et descend du ciel. Regardez ce qui est aussi de particulier dans ces nouvelles choses. Regardez bien. Il dit, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Vous vous souvenez des quatre êtres vivants qui étaient autour du trône? Est-ce que vous me suivez? La Bible, elle est parfaite. Et c'est lui qui était assis sur le trône. Quel aspect il avait? Vous vous souvenez encore? Vous vous souvenez encore? Il avait l'aspect d'une pierre déjà. Vous vous souvenez? Quand je vous ai porté cette parole, je vous ai dit que c'est quand j'étais à Myanmar, que le Seigneur est venu m'instruire en me montrant quand je faisais des erreurs en rapport avec quatre êtres vivants. Vous vous souvenez? Il m'a dit non, c'est pas comme ça, ça, ça va avec ça, ceci avec ceci. Je voulais prêcher ici. Vous vous souvenez? Et nous sommes allés dans les pierres. Parce que celui qui était assis sur le trône, c'est vrai, c'est tellement glorieux que nous n'avons pas le temps. Oui, je sais que vous êtes fatigué. Je vous ai dit, mais si vous partiez et qu'on revenait très loin, on y entrait. Parce que ça a un rapport avec ce qui va se passer avec le Nouveau Jérusalem. Puisque cette ville, effectivement, elle a 12 fondements. Et chaque fondement, hein. Frère, regardez ce qu'il y a de merveilleux. Regarde. Je vais d'abord sauter pour arriver au verset. Regardez bien. Et d'abord, verset 16, il dit, non, c'est merveilleux, parce que même la description de la vie, quand on l'entend, frère, tu dis, mon âme, je dis, Seigneur, je préfère abandonner tout le bien de la terre. Amen. Frère, c'est ce que nous allons vivre, frère. Amen. Tout, il dit, mais la vie, elle est parée d'or. Regardez, frère, d'abord, regardez, puis je vais arriver à la miraille après, rapidement. Vous me permettez un peu, je vais aller vite. Donc, regardez. Allez, bon. Verset 12, il dit, même vous les sœurs, même vous les frères, je sais que à ce moment vous êtes fatigués, mais prêtez attention. On va prier ensemble, je vais vous laisser partir. Regardez, verset 12 dit, il était, en fait, elle avait une grande et haute muraille. Vous suivez? Elle avait 12 portes. J'aime Dieu. On se bat ici, oh, il faut que je sois connu, moi que je sois connu. Frère, ton nom à toi, le mien ne sert à rien. Amen. Il y a des hommes qui ne se sont jamais battus, mais là, que Dieu te bénisse, ma soeur, leur nom est inscrit. Regardez bien, frère. Amen. Oh, bien. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. Écoutez bien. Et à l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, effectivement. Et la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, le 12 nom de 12 apôtres de l'agneau. Mon frère, donc, ces hommes-là, Pierre, les gens qu'on disait, Pierre, frère, dans la nouvelle Jérusalem, leur nom est là. On va passer à Pierre, à Jean. Mais toi, moi, je vais être le plus grand de tous, effectivement, frère. Ton nom n'a rien à voir. Maintenant, c'est le nom de Christ, mon frère. Amen. On se bat pour rien. Oh, toi, tu peux pas, il faut qu'on voit moi. Ça ne dit rien. Pierre, son nom est là. Amen. Jean, son nom est là. Amen. Lui peut dire, frère, vous parlez comme vous voulez. Regardez ce que Dieu m'a récompensé. Amen. Mon nom en moi, Pierre. Amen. Et sous les pieds, on coupe les têtes de mon frère. Mais toi, pas. Non, non, frère. Laissons le frère travailler. Si Dieu l'a appelé, laissez-le. Amen. Non, moi, on doit me connaître, moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ton nom? Au moins, Pierre, lui. Amen. Il ne sait jamais. Regardez comment Pierre était un homme sage. Amen. Dieu, notre Seigneur, avait dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Mais quand Dieu a suscité Paul, Pierre ne s'est jamais battu à Paul. Ça montrait qu'il avait l'esprit de Dieu. Alors il dit, non, toi, Paul, il ne faut pas te connaître. Non, il n'avait même pas à s'en occuper. Amen. Dieu qui l'avait choisi, c'est ce qu'il avait fait avec Pierre. Amen. Son nom est là. Amen. Jacques est là. Amen. Jean est là. Mon frère et ma soeur. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. On fait le travail de Satan en combattant les uns contre les autres pour une gloire futile et inutile. C'est vrai. Là, on montre bien que dans une ville, on ne va pas voir qu'il y a un grand béton là, le nom de Haït. Non. C'est le nom de Pierre. Et le nom des gens. Regardez bien, regardez bien. La muraille, verset 14. La ville avait 12 fondements. Regardez très bien. Et sur eux, le 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Ils ont été bénis à ces hommes. C'est vrai, frère. Ils étaient bénis. Quand on le regardait, on le méprisait, il n'était rien du tout. Waouh, waouh, waouh.
dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sont des hommes. On est ici, vous serez assis sur le 12 trône pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est pas n'importe qui. C'est Pierre-là qu'on a cité, ces gens-là. Frères, c'est ce que Dieu va faire de vous dans le monde à venir, vous ne le savez pas. C'est tellement grand comme Lazare avec l'homme riche. C'est pourquoi s'il faut souffrir, si j'avais le temps, je vous montrerais, frère, ce que les œuvres que vous faites, c'est que ça va produire pour vous. Amen. Ne faites pas des choses pour les choses extérieures, faites pour Dieu. Amen. Plus beaucoup Amen. Vous, faites pour Amen. Dieu. Amen. Frères et sœurs, la récompense que vous aurez. David avait compris, hein. Il dit, l'or de ma maison à moi qui t'avait à moi. Ah, je donne tout à la maison de Dieu. Amen. Il avait bien raison. Amen. Tous ces hommes qui ont servi Dieu, frère, oh là là, parce qu'il dit, leurs œuvres vont le suivre. Amen. Parce qu'il y a une récompense, mon frère. Quand tu sers quelqu'un, Dieu te regarde. Hein? Oh frère, ma soeur, ne comptez pas ce que vous faites pour Dieu. Amen. Même le temps que vous avez, même les heures que vous pouvez rester, ne comptez jamais. Amen. Dis seulement, Seigneur, si je peux encore faire plus, Amen. Je voudrais. Amen. Nous continuons rapidement. Amen. Amen. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Vous comprenez, non? Ok. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, les mesures d'hommes qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite, écoutez bien, en jaspe. Vous y avez? J'aime Dieu. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc la ville était d'or pur. Comme on dit, ville de perles et de lumières. Existant, mon frère, je donnerai tout pour pouvoir vivre dans cette ville. C'est pourquoi je ne vais pas lésiner sur le temps. S'il faut que je passe, oui, je sais qu'on ne peut pas rester trop longtemps, mais si c'est pour des choses de Dieu, je vais donner mon temps, ma vie, mon énergie pour cela, mon frère, parce que le résultat que tu auras après ceci, c'est plus grand que ce que tu peux imaginer. Pierre ne veut pas savoir que ce qu'il faisait là allait avoir une incidence jusque là-haut. Et à ce que son nom à lui soit là, mentionné là. Et vous ne savez pas. C'est pourquoi n'exigez pas même les dons que Dieu vous donne. Amen. Même le petit travail que tu as là. Amen. Soyez fidèles. Amen. Faites-le parce que vous le faites pour Dieu. Amen. Ne murmurez pas, mais aimez Dieu. Amen. Aimez l'œuvre de Dieu. Amen. Allez, nous continuons. Il dit, la muraille a été construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné, écoutez bien, de pierres précieuses de toute espèce. Nous allons revenir autour du trône. Regardez bien. Le premier fondement, vous suivez, était de jaspe. Le deuxième, saphir. Le troisième, des chalcédoines. Le quatrième, de meraude. Le cinquième, de sardonyx. Le sixième, de sardoine. Le septième. Mais je pense que, frères et sœurs, nous avons eu à pouvoir les lire. Un moment, non? Est-ce que quelqu'un se souvient? Amen. Quand on avait pris, parce que tout ceci, oh frère, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. De Ruben à Benjamin. Le premier et le dernier. Amen. Donc le Seigneur est vraiment le tout en tout. Amen. Et c'est vraiment la nature de Dieu lui-même qui est manifestée effectivement dans cette ville-là. Amen. C'est pourquoi ni l'impur ne peut entrer. Amen. Il faut simplement avoir l'autorité. Regardez, nous continuons rapidement. Regardez bien. Mais c'est passé, là, ça va te dire. Le 12 portes étaient 12. Étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Regardez ce qu'il y en avait. Dans cette ville, effectivement, dans cette nouvelle Jérusalem, on doit chercher des temples où on peut aller adorer Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. L'Écriture nous dit, je ne vis point de temple
dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Amen. Donc le temple qu'on avait entendu parler qu'il est descendu pour s'asseoir, c'était dans les temples terrestres. Amen. Mais maintenant, dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, il n'y aura pas de temple. Amen. Parce que le Seigneur sera avec nous. Amen. Et il vivra certainement avec nous. Donc tout ce que nous est montré, effectivement, en fait, Dieu avait dit à Moïse, viens sur la montagne. Regarde bien. Ce que tu as vu, quand tu descendras, fais exactement selon le modèle que tu as vu. Donc c'est le reflet de ce qu'il y a dans les cieux qui est sur la terre. Amen. Nous devons réaliser une chose, mon frère. Le temps est fortement avancé. Israël est en train de pouvoir se réveiller. Et le travail s'est fait. Ce n'est pas Israël, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Comme il en a fait avec Zorobabel, effectivement, ce n'est pas par la foi, mais c'est par mon esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur réveillant, effectivement, le travail s'est fait. Et nous, ici, des nations, nous devons aussi réaliser qu'il y a un travail que Dieu fait pour réellement que la croissance se fasse de plus en plus et que dans la marche spirituelle, nous ne soyons plus comme des enfants, mais que des hommes faits et que Dieu est en train de pouvoir davantage maintenant se manifester. Je vous l'ai dit, frère, la pluie de l'arrière-saison ne va pas tomber sur tout le monde. Non. C'est simplement sur la sémence qui a été enfouie. La sémence, c'est la parole de Dieu. À ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient réellement et qui ont eu à pouvoir réellement réaliser aussi une expérience avec ces dieux et qui ont été positionnés à leur place en tant que fils et filles de Dieu, hein, dans le corps de Christ, effectivement, ils doivent être manifestés. C'est pourquoi le temps est tel qu'aujourd'hui, nous devons rapidement courir, que chacun puisse pouvoir trouver sa place juste dans le lieu dans lequel Dieu a voulu qu'il soit, pour ne pas être surpris. Il faut qu'il y ait un lieu dans lequel Dieu t'a placé. Notre frère ici, Christian, nous avait lu un psaume 91. Bien. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, tu es ma forteresse, mon rempart et mon bouclier. C'est vrai. Donc, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Il y a un endroit où nous devons réellement être dès maintenant, pour que tout ce qui est à l'extérieur, qui est prévu de pouvoir passer, ne puisse pas nous atteindre. Lorsque nous sommes à l'extérieur, c'est sûr et certain que nous allons subir toutes ces choses. Mais quand nous sommes à l'intérieur, comme dans l'arche de Noé, les vagues sont à l'extérieur, les morts sont à l'extérieur, nous nous sommes cachés où? Dans la maison. Il y a de la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu. Ce matin, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu as donnée, nous accorder la lumière que tu as voulu encore nous donner pour que nous puissions être certains de toi, Père, et certains de la grâce de la personne. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Permets tu n'as changé personne. Si le Père de Dieu en nous, nous avons placé notre confiance, ne nous abandonne pas, mon maître, béni, Père, mais soutiens-nous encore. Bénis ce peuple qui est à toi, et éclaire-le, soutiens-le, Père, et combien encore nous sommes dans ce monde. Jamais tu nous as abandonné, et tu as toujours été là pour nous éclairer. Nous comptons sur ta volonté, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta grâce. Je garde confiance.
Jésus.